en championnat national, visiteurs yo déplacé avec public yo. Et par contre, si vous remarquez ça, monsieur, avant, yo te gagné en pile animation que yo tap mette là, mais gon quantité de monde qui en dehors de stade là, qui poko rentre, et m'a demandé vraiment si espace là, l'on prend tous les deux parties, côté nous capable dit ces tribunes, yo déjà rempli. Kouna c'est derrière les grillages, qui encore vraiment gagné espace, gagné place pour monde qui poko rentre. Et par contre, qui mesure que si fameux avec toute réalisation qu'a montré nous et belle entrée ça que sous organisation match là les préparer donc et en sortie de vestiaire Parc Bastan pour montrer sérieux et importance qui était accordé à final ça final année 2018 ça pour série d'ouverture. C'est ça qui fait nous te mettre accent sur organisation global match là. Tout est causé en bleu blanc, ciel et blanc pour yo capable recevoir match après-midi. Mais faut dire tout que ça pour montrer par rapport à ça va pas sortir faiblesse infrastructure que nous gagnons parce que l'opon ville de Koumibale qui gagne environ 15-20 000 monde qui était venu dans le match surtout pour le final où est que il y a plus de monde dehors qui peut rentrer par rapport à ça qui est dedans et Bayas ou demander qui côté au pas chita et pour nous faire belle fête nous obliger gagner bon gens infrastructure et le sport que nous avons dit là li fondamental li important et c'est ça qui fait chaque fois que nous gagnons pour et penser à gagner des infrastructures sportives en un pays, il faut que nous gagnions des infrastructures adaptées, des infrastructures qui permettent de nous répondre à l'envie publique et puis vendre un meilleur spectacle. De vraies infrastructures sportives et non des saupoudrages, car nous sommes l'unique pays nous capable de dire actuellement qui est affilié à la FIFA, un pays qui participait en phase finale de Coupe du Monde, nous pas gagné un stade moderne. Tout à fait, et en pile fois dans toute émission que nous faisons, nous soulever la question, nous évoquer les problèmes d'infrastructure qui gagnent dans le pays. Et en pile responsable qui suivent nous là, en pile proche autorité capable de comprendre ce que nous disons, que nous final aller championnat national dans le pays qui dit que le football lance sport Wally, eh bien, c'est pratiquement au-dessus de 4 à 5 000 personnes qui ont assisté donc, à financer lorsque ce n'est pas. Et moul qui c'est pas fanatique que l'équipe ASM a gagné. C'est pas dans le stade de la bataille venir, mais et pas de place pour autant de monde qui t'a capable d'intéresser à finir ça. Pas de place pour autant pour que monde qui t'a capable et venir dans match ça. Mais faut dire que et là nous obligés point janvier et faut que nous tirer de leçon pour nous être ça qui positif parce que et nous toujours dit par rapport à dirigeants soit dit là si gagnons un événement en d'un pays qui a réuni tout le monde ensemble et qui gagne moins problème entre eux c'est et dans le football plus particulier. Et là, on va regarder dans le tribunal, fanatique AEC, fanatique ASM, Yoshita, même côté, il y a parlé, il y a discuté. Donc, l'innécessaire pour nous, côté, nous arriver pour nous dire que enfin, nous pouvons faire bagaille, gens, tout l'autre monde, à faire tout l'autre côté, parce que le décor que nous avons là, l'organisation que nous avons là, il a montré qu'on a le savoir-faire, mais on n'a pas les moyens. Et là, quelques minutes de retard, mesdames et messieurs, sur le final. Et parce que le commissaire de match là, sous l'organisation match là, était présent, était paré. Et l'équipe haïtienne vient avec quelques minutes de retard. Échauffement au fil fait. Et nous, sous pelouse là, toujours. C'est parce que l'équipe est rentrée dans le vestiaire. Il y a sorti tout à l'heure pour démarrer la grande finale. Ça, avec quelques minutes de retard, c'est pas grave. Mais en tout cas, en jeu, j'en ai dit là, équipe ASM en soi Jacques, et équipe jeune, et entourée par quelques cadres, mais quand même, son équipe qui est sortie de un projet. Est-ce que, objectif, j'en ai dit là, année dernière, il était raté de peu, il était dans la finale, mais année ça, il est là, et peut-être avec gros envie, gros ambition, pour remporter tout ça. Et non, il y a un objectif sur les deux projets. L'eau, sous le bœuf, l'eau, barabal, le bœuf, l'eau. En plus, vous me balayez qui vous dit, mais l'équipe AEM ASM, non, mais c'est pas vrai. Nous pensons qu'effectivement, l'équipe de l'ASM, c'est un projet. Et son projet qui lançait en plus jeunes dans la compétition et des jeunes qui ont acquis de l'expérience, soit pendant l'année passée, année ça, nous connaissons avec qui difficulté. Nous sommes le président de l'équipe là, Grégory et Chevry. Nous rencontrons avec le secrétaire général là. C'est pas un bagage qui est facile, mais il y a Kébéo, mais balayez en plus jeunes qui a joué malheureusement Josapha qui à la base.
base de projet ça Lipala 18 ans dans équipe ASM non nous pensons que c'est pas démérité c'est pas l'engagement à changer si ASM t'arrive faut bon résultat remporter titre là ça va et galvaniser davantage le football mibalisien le football dans le département et du centre et plus particulièrement dans le bas plateau me reconnaître que ça pas pas facile puisque effectif ASA bien rodé étoffé gain mon expérience là dans et Vava Leno équipe football monde qui compte football haïtien Ronaldo Gustave Souban Mantini Telfort Souban ça veut dire que gain mon dans équipe ça. Oui, tout à fait, car l'ASC, c'est pas sans raison. Année passée, il était remporté le titre de champion. Et drôle de coïncidence, ASC sur le point pour le réaliser en doublé. Il a fini série d'ouverture là en tête. Et il était exempt, nous capable de dire, des quarts de finale. Il était qualifié directement pour les demi-finales. Ou est-ce qu'il façon qu'il a passé avec brio au dépens du Baltimore. Maintenant, face à l'équipe de Mirbalet, certes, Mirbalet, nous capable de dire, apprenez. Yon nouvelle génération, mais Mirbalet déjà inscrit. Non, nous capable de dire au niveau du palmarès dans le championnat national de première division. Mirbalet restait unique formation qui sortit en deuxième division, qui accédait en division 1, il a remporté pour la première fois avec Josapha comme entraîneur. Maintenant, depuis quelques années, son équipe qui a joué, nous capable de dire. Et là, c'est la montée des équipes sur le terrain. Et nous allons vous apporter ce match sur la télé innovante. Vous êtes branchés Télé Pacifique, chaîne 54, chaîne 145 sous Canal Sat depuis le parc Bayas de Mirbalet. C'est ça Jacques. Alors rapidement la formation des deux équipes, Yogetan est sur terrain et nous voyons avec ramasseurs de balles, des jeunes joueurs et donc de et zone de région de Mirbalet et équipe Mirbalet qui en bleu et blanc et couleur officielle Yo et puis et équipe ASA qui en rouge net. Jean Coel lancé ASA cap saluer et joueur ASA cap saluer joueur ASM Yo. Avec pour l'ASC et Nangola Yves, Marie et Clervin. Yogin donc Alexis, Jimmy, Ben, Huggins, Michel, Mackenzie, Louis, et Eden, Claire, Sius, Danny, Camille, Yvenet, Noël, Vilgrin Junior, France, Moïse, Jules, Valcourt et Nek Gonaïve, et puis Bernardin. Et Lodi, Jules Valcourt, Nek Gonaïve, c'était attaquant vedette, équipe, et Racing Football Club et Dagonaïve. Et là, et pour l'ASM, l'ASM qui nous fait et Barayo en grand et depuis quelques temps donc dans le championnat. Nangolan gagne donc Valérius et Williamson et pour ASM bien entendu. Défense là et Gabke Katounadan à droite et McIntosh Fédé et à gauche Fédé Fenel et puis dans mi-temps défense là et Jordani Valérius avec France Louis et deux médias défensifs. Et son système que Joseph a remis en pile 4-2-3-1-1 avec Dimitrev et décembre avec Norten et Dessous. Trois moun capés devant Yoa à droite, Jonel Désiré et Namitan Joris Guillaume et puis à gauche Ortega et Vileus et puis devant c'est Artisson Charleston. Voilà, et 4-2-3-1 pour la formation de l'ASM. Et 4-2-3-1 pour la formation de l'ASM. Mais maintenant, Berman, tout ça qui est important, c'est l'animation et mitre terrain surtout. 4-2-3-1, c'est-à-dire deux médias défensifs et qui avoir là pour gratter ces ballons parce que nous connaissons que ASM est force de frappe et ASM est très compact tout dans le mitre terrain. Ils ont joué en pile et balle coûte dans l'équipe ASM. Essayer couper et dans racine yo passion en équipe ASM pour équipe ASM dans lui-même il pas subi match. Tout à fait et Ben ASM a créé ambiance là même Jean tout nous avons un grand pile monde sauf que nous beaucoup senti monde ASM yo et qui a chauffé équipe à part quelques applaudissements les hauts à monté terrain et nous beaucoup vraiment et nous avons ben équipe ASM nan, qui ASM. A monté terrain là qu'on y a là tout faut nous dire que les fanatiques ASM qui en bleu et blanc et là c'est la salutation notre et public là et l'ambiance est bonne, l'ambiance est agréable on peut dire et bon enfant jusqu'à présent ambiance bon enfant sous un ciel et clément.
C'est-à-dire, il y avait le soleil et tout à coup, il n'y a plus de soleil, mais il n'y a plus de... Il ne fait pas aussi chaud que tout à l'heure. Maintenant, le décor est planté sur la télé et la radio Télé Pacifique. Et nous connaissons, c'est nous qui avons venu avec innovation pour Coupe du Monde qui a venu la Russie 2018. Et là, nous avons fait le premier match championnat national, nous, depuis Pac Baya, c'est final, aller qui mettait Bab pour Bab, équipe ASM, qui a recevoir face à l'équipe ICA qui s'est champion en titre. Nous partons pour un très bon après-midi et sous Radio Act Télé Pacifique. N'ap salue tout le monde qui est dans le pays qui a suivi le match ça tout, sur tout réseau nous et sur tout réseau nous. C'est tout, dans tout le pays que le public haïtien, le monde qui aime le football, est capable de suivre le match sur Radio et Télé Pacifique et à travers le monde, bien entendu. Puisque Radio Télé Pacifique sur Canal Sat et sur l'autre réseau qui dans tout pays en tout. Donc ça veut dire que c'est tout pays en nous satisfait, c'est tout pays en qui mobilise, tout pays en qui branche Radio Télé Pacifique pour suivre Matsa. Et il faut nous dire que nous devons passer sous Baïs et Aberman. Ils ont tout mobilisé, nous en pile ancien et entraîneur, tant que Dona Kilik, nous Woody qui c'est ancien entraîneur FICA, qui champion avec FICA, tout notre staff technique. Allô, Berman. Cap aider Saoudouin, ça veut dire que AEC n'a pas décidé sur les moyens. L'AEC a tout mis pour remporter ce trophée, ce deuxième trophée d'affilée. Mais ce n'est pas facile parce que l'ASM, avec son équipe, même que jeune, expérimenté, parce qu'ils ont joué ensemble deux ou trois tournois, Berman. Donc ça devait être un match intéressant entre l'ASM et l'équipe de l'AEC. Les deux équipes qui effectuent et leur rituel d'avant-match. Alors, Baval et oui. De l'autre côté du terrain, Baval. Berman, là actuellement, le match n'est pas capable de démarrer car on a fait une dernière vérification exigée à tout le monde pour respecter les normes. C'est de ne pas avoir le droit de rester aux alentours de terrain, c'est uniquement arbitre et puis la presse. Qui fait le déplacement. Il s'agit de Nono et Saint-Fleur. Nono Nabdou, bonsoir. La télé innovante, télé et radio pacifique en direct depuis le Parc Bayas pour la finale aller du championnat national de première division. C'est une grande première en Haïti. Un match à jouer à Mirbalet en championnat national, une chaîne de télévision en direct. D'abord, pour me féliciter. Deuxièmement, qui vient de lancer premier finale aller à ICA entre Mirbalet et AEC. N'espère pas tout le monde contre pied tout dans la finale là tout le monde. Les gars, nous pensons que nous bien content de arriver là. Ou même tout journaliste nous salue. La presse côté OEA indique le meilleur gars. Très bien, merci Nono. Grégory Chevry, un petit peu pour Pacifique. Depuis le Parc Bayas. Téléspectateurs, Radio Télé Pacifique. Bon, nous voyons bien ça. Mirbalet a accueilli finale à Léa. L'ambiance bien jetée, décor jeté, on attend le résultat. Et Mirbalet va gagner ce soir. On l'espère bien. Tout à fait. Et merci, Président. Et vas-y, Berman et Jacques, pour la retransmission entre l'ASM et la formation de l'ASC du Cap. Merci donc Baval et merci à Nono et à Grégory Chevry pour ses premiers commentaires sur cette finale allée entre l'ASM et l'ASC. Ainsi que le président de la COCHAFOP, M. Vaillino et Saint-Fleur. Tout à fait, tout à fait. Et c'est Mirbalaisien qui baille et coup d'envoi avec un passage de Jonathan Désiré et en direction donc de Jimmy Chef. Ballon qui est allé à droite. Jimmy Chef va recevoir ballon encore. Et finalement, il y a une intervention irrégulière signalée par l'arbitre de cette rencontre. Et l'arbitre central, c'est Jacques Robert Arthur, assisté de Ramsès Jean, Junior Auguste et André Pierre comme quatrième arbitre. Et Jacques Arthur, c'est l'un des meilleurs sifflets et haïtiens pour le moment. Et ça repart avec une première attaque de l'équipe de l'ASM. Attention à cette intervention de Jonathan Désiré, mais il a été repris rapidement de ce côté-là.
par Alexis Jimmy Bend. Et ce sera donc la première touche de cette finale. Touche qui sera exécutée, remise en jeu qui sera exécutée par et McIntosh Fédé. C'est une touche à hauteur de surface de réparation de l'équipe ASEA. Et il n'y a pas trop de joie de l'ASM. La prudence est au rendez-vous au début de cette rencontre, mesdames, messieurs, que vous suivez sur Radio Télé Pacifique depuis le parc Bayas. Petite conversation entre l'arbitre et un de ses assistants. Oui, il n'est pas dans la suraction justement. Il n'est pas dans la suraction. Il demande pour recommencer remise en jeu ça avec encore McIntosh Fédé. De la droite vers la gauche, il y a une remise en jeu à hauteur de surface réparation. Et équipe visiteuse dans l'association sportive Caproise, le champion en titre du championnat haïtien de football professionnel. Il y a bien sûr dans la surface de réparation et Joris Guillaume, Jonathan Désiré. Attention, c'est donc un joueur sur Joris Guillaume et déposséder ce ballon, un choc entre deux joueurs et la défense de l'ASC qui dégage. Ballon contrôlé encore par les Capramé rapidement et repris donc par Ortega Vileus. Il combine, oui, il a essayé de libérer et il joue donc net en retrait sur Jordani. Ballon qui joue à gauche et sur Fédé Fenel la passe en avant. Attention, intervention de la défense. La défense qui se sent bien, mais rapidement, les Mibalésiens reprennent sur ce ballon avec une faute. Et bien sûr, c'est du solide, c'est très physique, et ce sera très physique ici au Parc Bayas. Et à l'occasion de cette finale, allez, un coup franc en faveur de l'association sportive de Mirbalais avec Fresnel. Fresnel Fédé. À côté de lui, il y a bien sûr Jonel Désiré. Il faut dire, Berman et ASM ABC, pression, mettre griffio sous match, mais c'est très agressif, essayer d'occuper tout espace terrain en face. Petit ASC qui côté coup franc de Jonel, mais c'est donc au-dessus. Premier coup franc, mais c'était au-dessus en faveur de l'association sportive de Mirbalais. Public qui continue à priver dans le parc Bayas dans le match qui commence sa gain et environ 5 minutes. Et donc Yves-Marie Clervin s'apprête à relancer. Il relance sur le côté droit en direction de Huguenz Michel. Et pressuré, il remet le ballon à Yves-Marie Clervin. Calmement, il contrôle dans ce passe passionnant. Il est relancé à droite à l'heure, face à. Il est relancé à gauche. Dans la mi-temps défense, il y a un petit peu le prolongement dans le couloir gauche. Et ça ne marche pas. Ce qui n'arrive pas à trouver son jeu, c'est qu'il peut jamais arriver dans 25 et 35 mètres. Et équipe côté concrétisé. France lui a pas avancé par le pied. France toujours, il tente de jouer en avant, mais il y a une petite bousculade de Harrison Charleston et ça va repartir pour l'ASC. La passe en direction donc de Huguenz, mais il y a un problème dans la zone, ça obligé de tourner. Dani Camille joue à gauche, intervention et calmement, il a sauté. Il va commencer à prendre. Quelques terrains là, il a joué en avant net. Équipe ASM n'a pas placé. Bonne intervention de McIntosh Fédé. Nous, il y a très bonne occupation des espaces pour équipe et ASR. Et soit qui n'a pas paniqué. Et l'a joué et qui pense le temps qu'on machine diesel pour capable d'entrer dans le match. C'est ça, il n'y a pas de péter à Mancini, il commence à machine jouer. La passe de Mancini est fort, attention, ça peut être dangereux pour l'ASM. Il y a du monde dans la surface de réparation, passe en retrait, c'est bien joué. Bon retour. Et c'est l'agressivité que nous parlons. Ortega Vileus qui lance en avant. Il lance bien sûr Jonel Désiré à la lutte avec Huguenz. Mais Huguenz a raison de lui. Les fans de l'ASM ont réclamé une faute. Et calmement, ASC qui commençait et chute à souffler. Et Namacha Kounia, il a bien sauté le ballon. Et à chaque fois, il a essayé de profiter de tout espace qu'il est capable de joindre. Il y a un bon appel de balle là. Mais dribble, puis tout tenté. Pas sur Mancini Delfort. Mancini qui écarte, qui a tenté de rejouer. C'est un mauvais Marc public.
par le gouvernement que passe à sortir latéral la baguette à monter pas recevoir ballon qui fait que ballon sur touche. C'est ça. Mackenzie qui est déjà en retard sous action ça. Jean Dillon et Jacques et Fenel Fédé remettent ballon en jeu. Le ballon qui est sorti en touche une autre fois. Et c'est pas en faveur équipe ASA. France qui quittait donc et touche là et pour et Fenel Fédé. Arrière latéral gauche de cette formation de l'ASM joue devant. Et il a tenté de retrouver Harrison, mais c'était difficile avec le regroupement défensif de la défense, le regroupement défensif de la SC. Ballon contrôlé par les Capois. Il a commencé à mettre des pieds sur le ballon. Mais Dani Camille est obligé de jouer en retrait là. C'est nous, ça prend très physique. Faut que l'équipe ASM n'a été concentrée. Et il est capable de jouer avec un pile d'intelligence, le joueur ASCO. Il a bien regroupé et là, il a passé le passé ballon. Piocher les brèches. Exact. Un coup franc en faveur de l'ASC. Mancini dans la zone 1. Vilguin Junior tout. Sans oublier bien sûr Bernard Almono. Attention. Le centre dans ce pas de passion. Et ballon raté. Attention! Mackenzie Louis, pas bien cadré, pas bien, mais. C'est hésitation. Il devait qu'un bel sec ou bien dégager. C'est, alors que c'est dégagé à Kéké, qui était probable. Tout à fait. C'est une équipe qui a un plan de jeu, qui connaît ce qu'il faut jouer, une équipe qui est capable de jouer. Oui, on peut dire. Mais ASM avec encore Fédé, McIntosh. Dégagement, c'est difficile pour Jonel. Reprise de tête de Dantin. Dégagement rageur. C'est France lui. Ensemble avec bien sûr. Attention. France avec Mancini. Mackenzie. Vous avez mal encore. Il détient sous lui-même. Pour le capable de jouer en retrait. Non défense Lyon. Ballon. Sur Jules Valcourt. Qui tourne encore dans la défense là. Higgins. Jules. Et il y a passé ballon toujours. C'était un ballon qui était volé par encore Jules. On change complètement de côté. Et heureusement. Maintenant que tu es rien. Et c'est pas un match qui est facile du tout pour ASM. On repartit avec Jordani. Jordani pour Nathan, Antoine pour Jordani. Jordani pas le jouer, l'obligé de jouer sur France. Nous, bien sûr, et Fenel qui démarquait. Mais France préférait jouer en direction de Jonel, mais bonne intervention de la défense. Harrison, il tente de frapper là de loin, mais qui n'est pas assez puissant pour t'inquiéter, Yves Maïkler. Vraiment cette bien attaque Jean-Dillon. Dimitriev, ballon qui est contrôlé donc par Guillaume Jonis, qui est donc pour Nathan qui est capté sous Fenel. Il a lancé Mancini, il y a faute de France qui a retenu Mancini. Faut qu'il n'y ait pas quitté l'espace, depuis qu'il n'y a plus d'espace comme ça dans le dos.
et que l'attaque en fait appel de balle là, ballon lancé, aucun problème défenseur. Et son équipe qui est capable de jouer en contre-attaque tout, yo gagne attaque placée, yo ouvert terrain, yo joue vertical, yo joue en longueur. Ça veut dire que vraiment fort que ASM très vigilant. Mauvaise relance. Harrison, bien joué. Et puis Ayab sortit bien. Fennel Fédé. Il en avant dans la déviation, mais pour Piesmoun, Jonal te pensait que Ortega était monté, mais Ortega pas de monté. Et ça va repartir pour l'ASC. Avec une fois ça, Dani Camille qui est écarté donc à gauche. Mais calmement, le tourné ballon en défense avec Alexis Jimmy Ben. Ballon en discussion et sur côté gauche, équipe ASC1. Difficile pour sortir, mais quand même, bon contrôle poitrine de Bernard Almonan qui tournait. C'est très collectif. Ils ont recoupé très bien. Attention, dégagement rageur de Huguen Saint-Michel. C'est pour la tête de Jordani. Le dégagement de Norton n'a pas dégagé. Il préférait faire une conservation pour jouer donc sur Jordani. Jordani France lui. France lui a promoté champ de géant. France toujours. Et contrôle donc avec pied droit par une autre solution. Il n'est pas capable de se faire vraiment l'objet de tourner. Attention, Martin Dolfort. Oui, c'est bien joué avec Yvenet Noël. Il y a la lutte, mais il est en tourner. Il venait toujours gagner avantage ballon 1. Il quitte donc pour Jules. Bon contrôle. Bel contrôle. Bel geste technique. ASC qui compte en situation toujours avec Yvenet Noël. En retrait. Mackenzie Louis, déviation, Monty Telford. Mais il joue bien. Il joue bien les joueurs de l'ASC. Et Yon Douvé l'autre. Et on sentit que l'équipe ASM a commencé beaucoup à jouer une solution, surtout dans le milieu terrain, pour bloquer le mouvement qu'a fait et avec l'équipe ASM. Jean Dédic qui jouait vite et Eberman. Là, ça n'a pas marché. Et Fresnel retire le ballon dans la zone dangereuse. Là. Et là, mal toutes les deuxièmes balles sont pour ASM. C'est donc petit faire signaler, messieurs, équipe ASCA paraît nous qui a plus de maturité comparativement à la formation de l'ASM. Et on l'avait dit, Berman, et son équipe qui est beaucoup plus expérimentée, ils sont champions, ils n'ont pas qu'être joueurs et jouer dans notre champion et dans notre équipe occasion, qui finit. Ouais, ouais. Façon que accélérer et au bon jeu d'ensemble qui est vraiment impressionnant. Et je pensais équipe ASCA capable de gagner en pile difficulté. Certes, ils ont envie de gagner. Mais équipe ASCA, où est-ce de l'expérience? C'est ça. Yo calme, très concentré. Et yo exécuté facilement sur les plans de jeu. Hein. Yo permet de jouer presque à une touche de balle. Léon attaque. Ouais, c'est difficile là pour Joris Guillaume. Il venait, c'est bien fait, en direction donc, de Vilquin Junior qui lance sur le côté gauche la combinaison. Almonor, mais il y a bien sûr Jordani. Jordani qui perd ce ballon. Il faut revenir. Heureusement qu'il y avait bien sûr Dimitriev décembre pour lancer à droite. Et ils n'ont pas de solution. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un ballon, depuis arriver dans 40-50 mètres, même dans l'espace terrain, il n'y a pas qu'à jouer un joueur disponible pour qu'il permette qu'il fasse jouer là. Vilquin Junior. Pour l'ASC, un appel sur le côté gauche. Ballon qui traverse quand même. Danger à chaque fois que le constat danger donc pour ASM. Il va s'entrer, non, il préfère shooter. Dommage. Et heureusement pour ASM que Mancini n'a pas réussi à contrôler le ballon. Ça. En aller avec Valerius Williamson sur France. France. Jean dit à l'heure, par les trois options, pour commencer combinaison. Il y a une possibilité avec Dimitriev, mais préféré lancer en avant. Et les longues balles ne sont pas trop profitables donc, à la SM. Et Berman, il y a un bagage à Val qui football. C'est que corpulence à tête là va bien important. Parce que sous mon ville, Grey Junior, du mauvais terrain à ICA, deux types de coups, deux braguettes les guédés, mais vraiment il est solide au milieu de terrain et il juge. Donc on a regardé, il y a un lot tout là qui a bien numéro 10 là et qui sont ivres, qui sont petits bouts de garçons, mais quand même on trouvait que c'est des joueurs qui sont très affûtés et qui et
et une équipe vraiment organisée défensivement. Le map contrôlé soulevé et j'en dit tout à l'heure. Et c'est vos cas dit en système, mais ça pas dépendre d'animation. Le Valcou qui a défendu, qui fait jouer tout. Mancini Delfort, Mancini, là les toujours. Il n'y a rien, Mancini, il n'y a rien. Et le dégagement. Mais et quel athlète ce Mancini? Ah ouais. Attention, Yves Nenouel, tout le monde a marqué dans le terrain ça. Jacques, tout le monde a marqué. Et Yogon mis dans le très travailleur dans l'équipe ASEA. Et Yogon avantage, il ouvert, il a fermé, il en longueur, il a joué. Et ce qu'on c'est toujours 0-0 entre ASM et l'équipe ASEA. On joue et le premier quart d'heure. Tout à fait. Et là, c'est toujours 0-0, mais ASC montré en pile confiance, en pile maturité, en pile expérience, dans bonne gestion de possession de balle paroi et pressing sur le porteur de balle. Malheureusement, face à Ibnet, il fait faute aux dépens de Joris Guillaume. Mais ce petit Ibnet là, il est très agressif, très bon, très trapu, il va vite. Et il est technique. Et là, nous pensons que mais là, ouais, il n'y a pas de solution. Et il n'y a pas de solution depuis qu'il y a un ballon là. Il a perdu. Jules Vasco. Reçu par deux joueurs. Reçu. Il n'y a pas de faute. Il habite. Bien joué. Il n'y a personne. Toute solution à SM, CDR, en pile fois, là où il vient. Jonel Désiré, qui a réclamé faute en pile fois. Bien joué défenseur. Mais bien joué, bien. Bon retour de Jordani. Jordani en direction de Norten. Norten justement lui ouvert des bras, pas corruption. Pas corruption. Obligé de tourner en sur Jordani qui permet avec France. Il lance encore sur Norten. Norten à gauche ou à droite. Il est obligé de faire long balle là. Mais c'est long balle pas jamais bien négocié non, parce par que l'équipe de l'ASM et l'ASM va repartir avec parce que c'est toujours une solution de secours à chercher pour le paquet des ballons, mais c'est pour bon, qui bien planifié aux phases de jeu qui répétait à l'entraînement. Dani Camille qui change complètement de côté, appel de balle de Almonor, surveillé donc par Franz Louis, passe en retrait, le centre quand même à l'entrée de la déparation Montini, dégagement de Giorgani, intervention bien sûr de Norten qui travaille beaucoup au début de cette rencontre. Il organise, il défend, il revient. Mais et il mène les offensives de l'ASM. Ballon contrôlé par Franz Louis. Franz, encore une fois, une longue balle difficile. Et contrôlée par l'association sportive capoise. Vilgrain Junior, suivi par Norten. Bon, Vilgrain, technique, ce Vilgrain. Il fixe. Et Norten change de côté en direction de Mackenzie Louis, mais difficile. Mais cette ça, c'est faux latéral là. Latéral là, t'es entré pour faire. Hein? Parce pas qu'à jouer, encore pas passé à te faire avec force. Tout à fait. Et c'est donc Fresnel. Fresnel Fédé sur Giordani, Valerius. Giordani qui est obligé de monter. Qui a créé sur nom blanc. Harrison, bon appel donc de Jonas Désiré, mais dommage. Mais il faut dire que jusqu'à présent, la défense de l'ASM, c'est bon. Oui. C'est bon. Et même si l'ASM paraît très percutant, mais c'est plutôt au milieu de terrain, pas en attaque. Ça, c'est Jimmy. Alexis Jimmy Ben en direction de Huguen Saint-Michel. Jules Valcour, Mackenzie Louis, encore Jules. Bien suivi cette fois-ci par Harrison qui marque en pile dans le commencement Matsa. Et les petites combinaisons de défense de l'ASC qui jamais public. Et il y a reparti là avec Dani Camille qui tourne sous pressing, bien sûr. Ils sont en confiance. Ils sont en confiance, bien sûr. Yves Nenouel. Permutation ensemble avec bien sûr Vilgrain Junior. Quel geste pour éliminer le vis-à-vis. Vilgrain encore Vilgrain, mais bien sûr. Ortega contre les balances. Norten, dégagement de la tête de Jimmy Ben. Intervention de Joris Guillaume. Joris qui est obligé de quitter le ballon là. Ah. Dimitri Décembre, ballon contrôlé par Fresnel, la passe en direction de Harrison, Guignemoun Soudoli, le joué sur Jonel. Jonel peut-être dans le même couloir là, oui, c'est bien fait. Attention, le centre de Fresnel. La reprise de tête, non. C'était difficile, puisqu'elle était marquée par deux joueurs, Ortega. C'était une première action organisée.
arrivé équipe ASM nan et depuis le match a commencé. Entre temps, Ben Aïssi a pris ambiance bon, ici en Parc Bayas, côté Radio Télé Pacifique en direct. Mackenzie lui pour l'ASM, mauvaise relance, mauvais prolongement. Il a cherché Mancini Delfort. C'est l'ancien de Cavalli, ouais. L'ancien de, du Real. Et maintenant, il joue pour l'équipe de l'ASM. L'ASM qui monte en équipe. C'est de Gonaïve là. Donc c'est preuve que ASM est champion en Berman avec toute force. Et là, mais il faut dire que la seule défaite de l'ASM pendant cette saison a été infligée par ASM. Par l'ASM. ASM qui avait battu l'ASM 3 par 3 buts à 0 au Parc Saint-Victor. Antoine Sardouin face à René Louis qui remplace Jean-Claude Josaphat aujourd'hui. Mais René Louis qui fait son boulot. Oui. Bonne communication entre Mike Lervin et Alexis Jimmy Ben qui hérite ce ballon de Mike Lervin. Il combine avec Higgins Michel qui avance ballon. Il appelle le ballon de Yves Nenuel. Yves Nenuel, la déviation pour Mackenzie qui est en retrait. Mais la passe n'était pas bonne non plus. Il faut le souligner. Et c'est Jonathan Désiré qui prend le fixé là qu'on y a. Higgins Michel, Jonel Désiré, toujours Jonel, l'abtan de soutien, l'abtan d'appui pour que Jonel tente pour aller contre lui. Intervention. Il y a faute. Nous jouons 24 minutes et depuis que joué. Et là, un très bon coup franc pour l'équipe de l'ASM Berman. Oui. Et depuis quelques temps, ASM qui font casser. Et équipe ASM nan qui a essayé ouais qui s'est réglé et pendant que ASM font BCA. Et en coup franc, Vavalon, coup franc pour ASM. De la surface, un coup franc qui est capable vraiment créer une action de but. La grande question au sein de l'ASM, est-ce qu'on gagne des tireurs non capables de dire. Non, mais là, on va aller direct. Bon. Bon, un bon droitier, un spécialiste des coups de pied arrêtés capable d'aller directement dans la lucarne. Et pas... Ou encore, il est capable de faire une combinaison ou encore soulever dans la surface pour la tête de Youn. De Harrison peut-être. Harrison peut-être. De toute façon, on constate qu'il y a plus de 4 joueurs de l'ASC qui vont trouver dans le mur. Jacques Eberman, encore une nouvelle fois depuis le attention. Couffrant soulevé dans le mur et c'est pas fini. Il ne l'a pas soulevé. Balle contrée. L'équipe de l'ASC en contre. Maintenant, attention, 1-2. Combinaison dans le couloir droit de la formation de l'ASC. Il peut jouer en profondeur. Monsieur préféré renverser le jeu complètement. Et le ballon est allé au profit d'un joueur de l'ASM et bousculade selon l'arbitre. Et il y a faute. Il y a faute. Des locaux, c'est toujours le score de départ. 0-0, finale aller du championnat national de première division. En direct absolu sur la radio et télé Pacifique. La télé innovante. Ouais. La télé et la radio innovante. Télé qui a présent avoir samedi pour la finale de la Ligue des Champions. Où entre le Real Madrid et Liverpool. Et bien sûr, pour la Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018 à partir du 14 juin. Vinn joindre nous, sponsor, parce que et nous sommes tout pays, nous tout côté, nous avons de l'expérience, nous avons la jeunesse et nous avons le matériel nécessaire pour vous offrir un service de qualité. Alors rapidement Jacques, et pendant ce temps mort avec ce joueur de l'ASM qui va se faire soigner, et nous sommes capables de dire presque en demi-heure de jeu, et bien négocié par ASM. Les deux équipes. Qui bien organisé l'absence du ballon, alors bien organisé défensivement, avec des attaques placées de la droite avec Mackenzie Louis. Et des attaques placées à gauche avec Eden et Clercius, arrière latéral gauche équipe et ASC1. Et yon boule qui a bouilli dans le terrain avec participation de tout le monde, Naxo offensivio et Naxo défensivio. Depuis notre Danny Camille, passé par Yves Nenuel, Vilgrin Junior, Franz Moïse et particulièrement Jules Valco qui est à Banou, vraiment une belle copie après-midi dans le match. Et c'est vrai qu'on a remarqué que ASC. Gros équipe qui pirode, qui gagne plus d'expérience, mais quand même équipe et ASM n'en arrive contre une équipe ASA. Et surtout dans la défense équipe ASA, il y a gagné et Père Libéroa qui a joué très bien pour l'équipe
Donc, tant qu'on t'a dit là, c'est un bon match de football jusqu'à présent. Et Berman, surtout, joué dans. Il faut signaler la présence du commissaire du gouvernement ici au stade, au Parc Bayas, pour assister à cette rencontre. Et rencontre qui reprend la Jacques avec ballon sec contrôlé par l'ASC Jules Valcou, qui voulait tenter une longue balle à gauche. Il tourne sous lui-même pour jouer. Et sous Dani Camille, Dani qui écarte en direction de Bakendi Louis. Ballon contré. Et Fresnel sauvé, touchant la tête de Jonel sur Harrison. Jonel, attention. Bien joué. Bien joué. Pour Harrison, attention, bonne intervention de Edens, mais Jonel a insisté, à continuer l'action encore sur le côté gauche. Il est obligé, Edens, à concéder tout le champ. Il était en action à gauche, là, la donne à droite, vraiment. Et il y a un bon Jonel désiré, déterminé, combatif. Combatif, non, et très discipliné, mais qui a un gros débauche d'énergie et que la paix fait après-midi. Pour tenir les 90 minutes, on ne sait pas, mais quand même, il joue bien. Et c'est Yon Namoun qui mettait pression sur l'équipe AICA, surtout Léonan, 35 derniers mètres. Même si nous dit qu'il n'y a pas encore véritablement d'attaque classée pour l'équipe de l'ASM. Huguenz Michel, encore sur Mackenzie, lui, il soutient un pile ballon comme ça. Et dans le match football là, lui, entre Mackenzie et Fresnel Fédé. Mais finalement, lutte ça a fini en faveur de latéral droite. C'est un ballon qui est en jeu, il venait. Jeu assez dangereux, bien sûr, de Dimitriev. C'était plutôt de Joris Guillaume. Habitant qui tournait après net sur action. Ok. Vous comprenez le public qui est très, très, très chauvin ici. Bon, ici, il y a. Hein? Public qui est très chauvin. Oui, c'est un public chauvin. Très chauvin. Partout en Haïti, ils sont très chauvin. Et. Ils sont très calmes. Le match avec beaucoup d'attention. Il faut dire que le public a fait le déplacement et Berman. Mais que belle mais balisienne. Hein? Et vêtue en bleu et blanc pour venir assister, supporter leur équipe. Je ne les ai pas encore remarqués. Je ne les ai pas encore remarqués. Parce que et tu as les yeux rivés sur le match. Tout à fait. Attention, Almonor, Almonor qui laisse derrière lui son partenaire. Attention! Oh! 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 Manchi Little Fort a manqué le macabre. C'est pas croyable. Il a manqué le macabre. Il a manqué le macabre. Vraiment, c'était la plus grosse occasion. Il a laissé derrière l'occasion lui. La plus franche. Il a laissé derrière lui Fédé. Bernard Almonor, quel geste, quel mouvement pour se séparer donc de son adversaire. C'était vraiment bien de sa part, Almonor Bernardin. Et là, l'ASC va repartir avec Vilke Junior, mais intervention donc de Dimitriev, décembre. Ballon qui était contrôlé par encore McIntosh, Fédé. Dani Camille qui joue avec Eden Tercius, encore Dani Camille. Problème pour ASM, problème pour ASM. Attention, bien joué France, bien joué. L'y anticiper, sorti, donc porter l'y en et pas permettre que, et bien sûr, finalement, là le fait, il y a une faute. Et son faute. Qui n'a pas de raison d'être. Il trouve à consulter. Alors que France avait un bon. Et Jacob Arthur, c'est très. France qui va se faire observer. Et paraît-il, c'est un coup franc au profit de l'ASC. Mais vraiment, le public de l'ASM qui met. C'était pas nécessaire. Au fin, ils font une belle action comme ça. Justement. C'est pas vraiment nécessaire. Retirer le danger pour l'équipe là. Et puis là. Et bon, joueur tour de. Bon, notre joueur essaie qui était sous pelouse. Là, Jacques Berman. Il y a deux joueurs de l'ASC qui a échangé avec un arbitre assistant. Yo. Non. L'attendez.
et là c'est en Pac Bayas et surtout après faute à joueur et équipe seulement subi par Jules et pas Jules Valgo et subi par Jules et Jules et là nous gagnons fanatique ASM ou en direct vous jetez sur la radio Télépacifique, la chaîne 54 Télépacifique en direct de Pac Bayas. Ba nos impressions, nous avons supporté l'équipe qui c'est ASM. Bonsoir en direct sur Radio et Télépacifique. Bonsoir Radio Télépacifique, pour saluer nous tous, mais nous connaissons tant ce match ASM, il y a un petit genre pour nous, mais nous même géré quand même nous souhaitons avoir un bon point de vie en face à ASA. Justement, le coup franc c'était pour l'ASA. Nous n'avons pas tant de moyens, mais nous demandons pour nous supporter l'équipe parce que son final lié à gâter match, que nous recevons ASA bien, que nous bien jouons ensemble avec ASA. C'est ça que nous avons dit. Télépacifique, merci. Mais ok, merci, moi remercie Télépacifique tout. Oui, nous avons dit à Jacques, justement. Justement que Koufran habitant c'est pour AEC. Koufran avec Mackenzie Louis. Arrière latéral droite équipe AEC. Dans surface a gagné bien sûr Almonor, Guémanchini et également Eden Tercius. Attention, ballon soulevé, dégagement de la tête de la défense de l'ASM. Et ça revient sur Jonathan Désiré qui écarte la droite en direction de Ortega. La déviation de Villegrain. Un dégagement calme, très calme de Alexis Jimmy Ben. Ça qui permet que Valéris relance sous Fresnel. Fresnel dans mi-temps sur bien sûr Nantin. Nantin qui lance. Dégagement de la tête de Huguenz Michel. Ballon contrôlé par Mackenzie qui couvre le ballon. Mais il gagne sous Doltou. Il y a Harrison qui a plaqué le net. L'obligé de jouer à retrait en direction de Alexis. Alexis Jimmy Ben qui décale donc sous côté gauche en direction de Eden Tercius. Il a fait ballon rouler. La déviation, non. Il va dévier. Il gagne. C'est donc Villegrain Junior, joueur et Mampilan. Il est prêt à négocier. Il est très technique. Il combine ensemble avec Eden Tercius. Non. C'est toujours lui-même qui prend jouer ballon à Wetka Sweden. Kalea, c'était plutôt. Et bien sûr, Franz Moïse. Ballon contrôlé donc par la défense de l'ASC. C'est joué par Alexis Jimmy Ben. Sur Eden Classius. Il y a un appel de balle de Almonor. Il joue en Wetka. Longue balle dans la zone Almonor. Mais face à Mantini, pas à suivre. Ballon facile pour Valéus. Pour Valéris Williamson. Valéris qui veut lancer sous Fresnel. Fresnel qui lance en avant. La déviation, bien sûr, en direction de Harrison, mais difficile. La balle était trop profonde. Il paraît si je ballon ça. Et nous voyons que Machin qui perd du rythme, Iberman, surtout depuis après faute, ça a été fait fête là. Mais quand même, nous avons joué 40 minutes de jeu. Mais il faut dire que tu as gagné un bon temps. Et pendant faute, tu as fait là. Nous avons une équipe ASC jusqu'à présent qui a fait match et ASM qui pour gagner d'un. Après une gros action que Mancini a raté pour l'équipe ASA. Dans trois occasions franchies, on a dit que gagne plus ou moins une pour ASM, mais vraiment occasion qui vraiment pour te permettre pour gagner le match. Et c'est ASM qui a gagné, mais dommage que j'en ai dit là, Mancini était fort et a manqué le macabre. France lui sur Jordani Valerius. Jordani. Il y a un appel de balle de Ortega. Mais bon placement. Bon placement donc de joueur de l'ASM. Attention, bon centre. Bien joué Mackenzie. Intervention de Ortega. Nouveau dégagement de la défense. C'est prêt à contrôler par France de la tête. Le combiné ensemble avec Jordani Valerius. Jordani sur Mackintosh. Mackintosh fait des. Bien joué. Sur Ortega. Bien joué. Attention. La frappe. Aïe. Ballon contré. Quel geste. Mais ils sont très techniques. Ils sont très techniques. Que de beaux gestes des joueurs de l'ASC. Mackenzie Louis. Oh là là. Le dribble au dépens de Harrison. Il a trop fait. Et finalement, Harrison en profite pour donner sur Fresnel. Attention. C'est le 18 décembre qui était joué en avant.
Intervention de Eden Clercius. Bien joué, Yvenet, qui recevra l'annonce à, donc, de Jules. La résistait toujours. Oulala. Mais finalement, Pressigno compte bon, Pressigno payant. Elle de Pigeon s'est raté. France lui. Pressuré un petit peu par Mancini. Et ballon contrôlé. Donc, Mais non. Et là, ça va être carton jaune. Carton jaune pour Yvenet. Yvenet, vraiment, nous pas pour qui raison qu'il a fait faute ça à Verban. Il n'avait pas intérêt à commettre cette faute. Et d'autant plus que M. Sonnet qui ont déjà appuyé sur tout le marquage. Là, il faut fauter sans importance que ce soit. Il n'y a pas carton rouge à n'importe quel moment. Mettez l'équipe là en infériorité numérique. Et laissez ça qui cap. En pile préjudice dans fin match là et souvler. Et surtout et pour capable jouer prochain match là parce que j'ai dit là c'est 180 minutes et que finalement. Jouer bonne attaque donc de la SN la frappe. Et jouer. C'était la deuxième action franche du match. Un pour et c'est un corner. Et c'est un corner. C'est superbe deuxième corner de la pour la SN. Le corner. De la droite vers la gauche. Était bien fait. Bien exécuté. Et le gardien. Si on a fois nous sentis joueurs à SM, on a une certaine agressivité. Et on attaque placé. Attention, ils sont nombreux dans la surface de réparation de l'ASC. Le ballon est soulevé. Attention, la tête de Jordan, peut-être, non. C'est pas le cas. Et le dégagement de Eden Clercius. Il y avait un jeu, peut-être. Et une faute, peut-être. Jordani qui est à terre, qui peut-être est mal tombé sous et coup de tête qui était défait là, avec deux défenseurs à essayer et bon côté lui. Et Renel lui, l'entraîneur de l'ASM, qui fait Jameson Exini à chauffer. Et Kabag une chance, et oui. Il se lève. Et plus de peur que de mal. En tout cas, pour il accélère normalement. Il devait continuer. Sans trop de difficultés, j'espère. Justement. Huguenz Michel. Non, mais il est là, il est vif. Franz Louis de la tête dégage. Très bon défenseur. Intervention d'Yvenet. Noël. Ballon qui se rage par Dimitri à décembre. Il retire Kroll pour ne pas. Justement. Pour pas qu'il y ait un contact. Justement. Parce qu'il sait qu'il est en souci. Il est en souci. McIntosh fait attention. Il est en souci aussi avec ce carton jaune. Oui. Là, c'est temps fort de ASM dans le match football là. Justement. Encore Fennel. ASM pas réussi vraiment sauter le ballon avec autant de difficultés. Et défenseur qui vient de placer plus bien concentré. Jordan qui a besoin de soutien là. Et Mancini qui fait faute là selon l'arbitre de cette rencontre. Et il va observer, bien sûr, il va observer Mancini tel fort pour cette intervention un petit peu irrégulière au dépens du défenseur central de la SM, Jordan Valerius. Qui ont tiré à paix, moyen tout côté dans quoi là. Oui, parce que il mourit. Oui. Mais c'est de la fatigue. Et nous jouons les toutes dernières minutes de la première période. Il faut dire que ça a été un match assez intense parfois. Mm-hmm. Même si tu as gagné quelques côtés et tu as gagné un petit ralenti, surtout avec. Fautio, mais quand même le match s'est déroulé dans une très bonne ambiance jusqu'à présent. Eden Clercius n'est pas quitté pour Ortega peut-être. Ballon contrôlé par Yvenet Noël. Il jouait sur Vilgain Junior. Et il y a faute. Déséquilibré. L'arbitre a pris un petit retard avant de siffler. Non, peut-être il voulait faire jouer l'avantage. Parce qu'un joueur de la SC est en position de récupérer le ballon. C'est peut-être pour cette raison qu'il a laissé jouer, mais. Eden Clercius pour un nouveau centre. Mauvais dégagement. Ce sera probablement un corner, mais
Dégagement de Fresnel. Bien joué en direction de Harrison. Harrison, oui, il tente un beau geste. Un petit peu déséquilibré, mais sans faute. Intervention de Jules Valcourt pour l'ASC. Passe en retrait en direction de Alexis Jimmy Ben. Jimmy. Il préfère la longue balle. En direction de Denzler Sius. C'était plutôt Vilgan Mono, pardon. Et McIntosh Fresnel a tenté de relancer, mais. Oh, et c'est pas pour rien que l'équipe de la SM a la meilleure défense. Ils jouent bien, ils sont solides. Et la défense a tenu bon pendant les 45 minutes, Berman. Ouais. Même si on dit que et pas de équipe ASC qui était trop pressant, surtout dans 25 et 35 derniers mètres et derniers mètres pour l'équipe ASC. Ouais. Monsieur Bittel, il est bien couru ballon d'antenne de Sousse qui jouait. Voilà. Et il y a faute. Des petits pieds de baguette les guédés. Et n'a pas parlé de Vilgain. Ouais. Et votant sous Dimitri décembre. Harrison. C'est raté. Dani Camille. Ouais, Norten de Sousse encore une fois. Ballon pour sortir en touche. Oui. ASM qui préférait pas touche temps. Oui. Et tant qu'on va Valdadi, joue à ta physico. Oui, très physico. C'est très, très physique. Le score de départ, zéro but partout. Et n'a pas approché pratiquement la fin de la première période. Entre l'ASC et l'ASM, zéro but partout. En direct depuis le parc Bayas sur la chaîne 54 Radio Télé-Pacifique. La télé innovante. Remise en jeu qui sera effectuée. Mais ça a pris du temps. Le dégagement de la défense. Jules Valcourt, mettez le plus loin, Golian, plus loin possible. Almono a bon à gauche pour essayer. Il bien défendre, bien organisé. Dimitriev descend, tourne sous lui-même, bien joué Dimitriev. Quelle passe, mais quelle présence, quelle reprise de tête pour écarter le danger. Mais ballon profitable à l'AS avec Mackenzie Louis. Qui glisse un petit peu, Grécy Balia à Jules, le dégagement de Huguenz Michel. Intervention de la tête, mauvais dégagement, et ça va repartir avec bien sûr Almonor qui peut changer de côté. Il y avait de l'espace, mais Fresnel était présent pour jouer en direction de Harrison. Harrison, il laisse donc à Dimitriev descendre. Il y a faute. Heureusement pour lui, parce qu'il n'avait pas vraiment de solution. Et il partait gagner un monde. Pour te faire passer. Hein. Et il faut dire que c'est une faiblesse équipe ASM. Non? Même si vos Chania Central, dans le niveau zone de récupération, il n'y a pas assez, Oberman. Oui, c'est vrai. Fresnel, c'est raté donc par Harrison. Un petit peu touché sur cette action. France, mets ballon 2 parce que vraiment Harrison touché. Oui. Sous action ça, mais pratiquement nous en fait première période là. Non, on a fait pour la période là. On joue les arrêts de jeu. Il y a eu des occasions franches de scorer que attaquant d'équipe n'a pas profité encore. On dit pour occasion ASM non. Bonne intervention de Yves Marie. Mais vraiment, ils ont un bon premier mi-temps jusqu'à présent. Bon, il y a un match donc, de niveau technique un peu moyen. Certes, il y a eu des occasions des deux côtés. Mais sur l'ensemble des occasions, l'ASC a gagné les meilleurs, surtout avec Yombo du portier et sans oublier l'action ratée par l'attaquant Mancini, tout seul face au portier et M. était capable vraiment de trouver l'ouverture du jeu. Mais maintenant, Val Berman, est-ce que ce n'est pas ça qu'on a dit hein? Et le monde qui est habitué, qui fait goal tout le temps, pas besoin qu'on ait côté grand par rapport à côté situé pour capable de dire c'est ça pour faire pour entrer ballon dans le camp. Vrai technicien, hein, il n'a pas même gardé sorti gardien et l'a classé ballon hein, l'endroit qu'il faut. Bon, c'est dommage, je n'ai pas exploité l'occasion. Hein, et là, il y a les matchs à Fonti Campé, Gonti discussion. Et on va essayer d'approcher pour nous. Et match à Fonti Campé là. Va voir l'informe Louvre Sagan exactement. Justement. Et si nous sommes là, nous. Qui ça cause un temps bon ça. C'est vrai que. Harrison t'est touché, t'as pris soin. Et après tout est rentré dans l'ordre. Et moi,
j'ai l'impression que c'est constant. Constant Bernardo t'a chauffé. Non. Tout est rentré dans l'ordre. Et. Non, c'était plutôt Jameson. Mais pas de problème du tout. Tout est rentré dans l'ordre. ASC gagne touche là. La palle remet le ballon à l'équipe ASM. Non? Et en termes de faible. Peut-être la dernière action de cette première période. Et le joueur qui est... La consulte économétrie là. Mm-hmm. Et c'est Fresnel. Fresnel Fede qui joue en direction de Giordani. Giordani qui est carté sur McIntosh soulevé. Attention, dégagement de la tête. Ils sont très bons et défensivement et également. Et Jacques, les défenseurs de la tête. Ce sont les deux meilleures défenses. Et c'est vrai que... L'équipe de la SM a encaissé moins de buts, mais la deuxième meilleure défense du championnat, c'est l'équipe de l'ASC. Et l'ASC, c'est la meilleure attaque et l'une des meilleures défenses. Et l'ASM, c'est la meilleure défense et l'une des meilleures attaques également du championnat. Vraiment, ce sont les deux meilleures équipes de la première partie du championnat, du tournoi d'ouverture qui s'affrontent et maintenant et en finale aller et du tournoi d'ouverture. McIntosh qui profite de ballon ça pour le jouer en direction donc de Jonel Désiré qui estimait qu'il est déséquilibré, qui avait faute, mais c'est pas via Bitlan. Giordani qui tentait un petit numéro là, mais il n'est pas réussi avec Soulé et Tipon Saldevé réussi sur Eden Sclerceus. Mais si on touche plutôt en faveur de la formation de l'ASM, ballon contrôlé donc par Giordani. Giordani Valerius, attention, Jonel Désiré qui est parti là. Et il y avait position avancée. Mais Jonel Désiré, on peut dire, il est partout sur le terrain. C'est l'un des grands bonhommes de la première période. Dans toutes les actions dangereuses de l'équipe de l'ASM, il y a toujours et Jonel et Désiré. Et l'arbitre qui met fin à cette première période. Zéro but partout entre l'ASM et l'ASM. Il y a eu des occasions. Mancini était fort, il y avait Harrison également. Le coach de l'ASM a été expulsé par l'arbitre. Ok. Ah. Et le coach adjoint, le coach adjoint. Et le coach adjoint. Voilà. Donc fin de la première période de cette rencontre sur Radio Télé Pacifique. On observe la pause rapidement et on revient dans moins de quart d'heure pour la deuxième période de cette finale aller de la série d'ouverture 2018 du championnat haïtien de football professionnel sur Radio Télé Pacifique. Qui mettait Sandakale punch dans jouette équipe ASM. Tant qu'on soit dit là, c'est un match assez équilibré, même si occasion franchie pour l'équipe ASA qui paraît une meilleure maîtrise technique et tactique, mais l'ASM n'est pas démérité, il joue bien en défense, dans la zone de récupération, il est en forme, c'est seulement en attaque, il n'est pas tellement trop agressif, mais quand même, et ça va pour l'équipe de et l'ASM. Alors en premier mi-temps qui est quand même marqué par quelques incidents, deux cartons jaunes et surtout l'expulsion de l'entraîneur adjoint de l'ASC, Woody Joseph. Oui, l'expulsion du coach de l'ASC et selon des informations, paraît-il, nous s'était dépassé complètement. Et il a fallu plusieurs interventions et même de quelques dirigeants de l'ASC qui étaient même mandé monsieur pour le calmer, mais il ne voulait pas rester. Il était provoqué arbitrage jusqu'à l'expulsion. Maintenant, pour le match, nous sommes capables de dire c'est 45 minutes légèrement à la portée de l'ASC. Certes, l'équipe locale bien organisée défensivement. Pour moi-même, en deuxième mi-temps, l'ASC prend chercher le break. Ça, c'est mon point de vue. En tout cas, en face, ils ont même tout, ils ont géré le match aller à domicile. Les deux équipes sont déjà sur le terrain, messieurs. Deuxième mi-temps prêt à commencer. Pas de changement, d'après et ça m'a constaté rapidement. Et on va voir ce que ça va donner et les consignes des entraîneurs qui ça prend le bail dans la seconde période là. Donc c'est la grande question. Et deuxième mi-temps qui va commencer pour nous Jacques dans de meilleures conditions. Oui, dans de meilleures conditions. Et on a regardé. Oui, ça va. On a gagné quelques difficultés techniques, nous les studios, et maintenant télé passé. La télé est nous allons commenter pour la deuxième, les 45
minutes des 180 minutes et pour les deux matchs de cette finale. Deux matchs de 90 minutes. Et c'est ça. Vraiment nous avec le public là. Et, mais Berman, c'est ça qui manquait, manquait ambiance et dans le match. C'est vrai que qu'on est là, c'est bon. ASM n'a qu'à frapper et les gars ils font poser et qui ça qui passait qui fait que match a pas commencé. Non, on a vérifié que tout est OK. Il a vérifié si tout est OK pour Jacques la deuxième Eberman, c'est toujours le score de départ 0 but partout. N'a pas nouvelle fois la en Pacifique en duplex depuis Mirbalet pour la grande finale du championnat national de première division. Finale ça rend possible grâce à Red Extrême, le Chaco, deux sponsors nous capables de dire qui permettent nous en direct ce soir depuis la ville de Mirbalet pour la finale aller du championnat national de première division. Et il va y avoir un changement. Et d'après ce qu'a signalé le quatrième arbitre. Tout à fait, tout à fait. Habitant qui a vérifié que tout le bagaille donc ok. Que tout le bagaille ok et pour Massa lui-même li, pour Massa reprendre. Habitant assistant. C'est les Pacifiques, bon bagaille, Coupe du Monde là, non, mon chéri, n'attends nous. Même situation pour Habitant bon assistant. Yo. Et Habitant qui prend le. Et il faut dire que. Bah, ici, dans le coup d'envoi. Berman, il regarde les Pacifiques en pile dans le. Et match ça justement relayé par une télévision locale. Ouais, okay. Ouais, actuellement qui est relayé par une télévision locale. Télé Pacifique. Je suis dans la télévision là. Bon. Si vous avez fait tout marcher, si vous avez fait tout dans lui. Changement. Si vous avez fait à courir et c'est numéro 10 qui est rentré sans Dino. Télé Pacifique, bon bagaille. Pourquoi si vous avez fait le monde dans la Coupe du Monde ça? Devant. Sans Dino qui remplace Artisson. Pour équipe ASM, derrière Golan, pour au moins soutenir avec une victoire dans PAC Bayas. Sandino qui part en forme, touché donc à la demi-finale, retour contre le Tempête, et, mais qui n'a pas commencé pour qui pas commencé match, mais rentré en seconde période. C'est un homme important lié pour ASM, pour M. René Louis. Donc là, l'obligé d'utiliser dans la seconde période là. Et Artisson qui était touché en fin de première mi-temps et qui est remplacé par Yon Zam, gros Zam équipe ASM là, et Sandino. Et Sandino qui t'a permis que l'équipe là vienne plus attaque placée et comment Vaval capable de jouer au moins un goal pour aller au cap et en toute sécurité. Bon, c'est sûr et certain, ASM n'a pas joué en faveur d'eau, il a pris aller en déplacement. Là, nous prend l'équipe ASCA, monsieur et certain, ASC vient jouer là pour lui faire break là. Parce que à domicile ASC toujours très très difficile à manœuvrer. C'est un coriace adversaire. Et là on va regarder en 45 minutes seulement. L'équipe ASC à Provo n'est pas vraiment prendre tête classement championnat. Là c'est vrai. Et si championnat a été fini, il y a un petit là. Ouais. Et c'est vrai. J'ai joué des demi-finales. Pour moi-même, c'est la meilleure équipe de fonction de ça que nous avons gardé là, la finale là jusqu'à présent. Son finale qui rend du possible encore une nouvelle. HL Construction, le Chaco, Red Extrême, et c'est les gens qui a marché avec Télé Innovantlan, Télé Pacifique, sponsor une place pour eux, et pour nous faire une compétition qui est belle possible. Et Habitant qui fait le signal qu'on envoie seconde période ça avec un ballon ça qui est contrôlé par bien sûr Mackenzie Louis qui était joué ensemble avec Huguen Michel. Long dégagement de Huguen Michel Mancini à la lutte avec France. Mais c'est donc une nouvelle faute commise par l'attaquant de l'association sportive capoise au dépens de France Louis qui ont tiré tout les mêmes langues école. Oh, justement, mets toi bonheur pour France lui et après ça parce qu'il était 45 minutes pour jouer au moins et dans le match encore et parce que lorsque tu n'en poses comme ça et au besoin pour Jean me chauffer puis t'as couru et Jean joue à essayer de faire là pour trouver Bernardin Almonor pour être capable et fonctionner et c'est joué et c'est donc joué par Frenel Louis et sur le côté gauche un prolongement
dans le couloir, dégagement de donc Mackenzie, Yves Noël lance donc en avance sur Mancini. Attention Mancini, il est encore marqué, surveillé par François, il attend du soutien pour Mancini, tient très fort, il a essayé de déséquilibrer son partenaire, son vis-à-vis, mais le centre est exécuté quand même. Exécuté et joué par Eden Clercius qui va déborder le centre d'Eden Clercius, la tête plongeante de Jordani Thomas. Et ce sera une touche. Très bon défenseur, ce Jordani Thomas. Il est toujours présent et il n'a pas jamais dépassé, il n'a pas jamais pris de vie. Il joue bien. Et ce n'est pas pour rien qu'il dit que l'équipe s'arrive. Vincent Berman. Tout à fait. Tout à fait. Et ils ont entendu très bien, sauf que nous étions capables de dire Jacques, je vous dis, il y a un peu de nervosité la caille et France lui, et qui commet des fautes stupides, qui même prend carton jaune et en première période. Mais c'est une finale. Les finales et les nerfs finale, dans une finale sont à fleur de peau. Sont à fleur de peau. Et il est très difficile pour nos finales. Et je vais été gardé calme. Yeah. Donc c'est ça. Ballon remis en jeu, Eden Clercius, arrière latéral gauche, centre, dégagement corps de la tête, ballon de Dimitchev, la passe en avant sur, bien sûr, Sandino. Sandino met pied sur ballon, Melratelli, Vilgain Junior, joué là pour l'ASC, ils font un petit passe en retrait en direction de Yves Noël, Yves qui réussit à jouer encore une fois. Il y a un partenaire qui était bien démarqué dans le mi-terrain. La passe donc est sur le flanc droit de Huguen Saint-Michel. Ballon tourné dans le mi-terrain. Dani Camille, Ratelli. Il y a beaucoup d'approximation. C'est ça. Et dans les récupérations, donc Capoise Sandino qui a organisé, je vais être cap distiller ballon, cap distribuer ballon donc. Et la combinaison sur le côté gauche. Attention, Jonel Désiré. La passe de Jonel qui n'a pas été précise et ça va recommencer avec ce dégagement de Fresnel qui permet donc à l'ASC de bénéficier de cette touche alors que gagné un joueur ASC, c'est Yves Nenuel qui donc était resté à terre, mais plus de peur que de mal pour le numéro 10 de l'ASC. Et qui a écopé un carton jaune lors de la première mi-temps. Tout à fait. Mackenzie Louis. La tête de Fresnel sur Jules. Il bénéficie donc de la remise en jeu. C'est donc Norten Dessous passe en retrait. Franz, il a cherché donc Jonel. Ballon contrôlé par les Capois au milieu. Bonne intervention. Et Yves Noël s'empare de ce ballon pour permettre donc à Vilgain Guillaume de relancer une longue balle à 3 contre 2. C'est bon. C'est bon côté ASM. Ils sont c'est bon. Toujours là. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Même si nous avons dit que Joël Aïs a tout pas posé l'arrivée dans 25-30 derniers mètres. Ortega parlé. Ortega parlé sous passe McIntosh et Fedea. Non, c'est un manque de communication entre les deux, mais de l'autre côté, la passe était trop profonde pour l'arrière droit de la formation de l'ASM. C'est toujours le score de départ, 0 but partout. Encore une nouvelle fois, nous en direct depuis le Parc Bayas, finale allée du championnat national de première division grâce au précieux concours de Extreme Red, HL Construction et sans oublier le riz Tchako. Ballon contrôlé par Ortega. Oui, il a bien vu Jonel, mais contrôle raté de Jonel. Passe en retrait. Bonne combinaison entre Mackenzie et bien sûr Huguen Michel. La tête de McIntosh. Bon jaillissement encore une fois. Et bonne passe. Une bonne passe. Il y avait une position avancée de Sandino. Et Fonzik, mi-temps a commencé. Deuxième mi-temps a commencé. Jean premier à terre. ASM dans le début match a mis des pressions et au fil des minutes on a parlé un bel goalkeeper Sandino. Yves-Marie Clavin. Et lui Marie Clavin. C'est un très 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 bel goalkeeper. Et 1m90. Oui. 1m90 et athlète. Et au Cap Gadel et à ce écran. Et la relance justement de Yves-Marie Clavin pour la tête de McIntosh. Dégagement. Sandino à la lutte. C'est assez physique. Vilgain Junior, là elle fait couchement de jambes. Attention, Mackintosh. Mackintosh fait des. Il faut centrer. La faute. La faute de Vilgain. Et
C'était un tacle assez appuyé. Ça. Et là, monsieur, on voit le débordement de McIntosh. Il a pris de vitesse Villegrain, justement. Ah oui, il y avait. Il y avait un contact. Il y avait un contact. Pas très appuyé, mais assez appuyé. Et... Bon, c'est pas de mériter le carton. Ouais. C'est pas le carton jaune. Ouais. Bien vu de la part de l'arbitre. Bien vu, ce coup franc. Je vais désirer, l'homme a tout fait de cette équipe et mis balisienne. Il faut dire que HL, c'est le sponsor également de l'AIC. Ouais. De construction. Et là, ce soir, plusieurs villes de province actuellement branchées. Télépacifique pour la finale aller du championnat national de première division. La radio est Télépacifique. Arbitre Landreau très concentré. Il y a environ 6 joueurs de l'ASM dans la surface de réparation. Mantini Telfort sera remplacé, Jacques, dans cette rencontre. Justement. Mais et pour qui ça l'a pour lui ça? Est-ce que Mirbalesien, monsieur là, qui commençait à chauffer, à réclamer le but. Il a senti peut-être dans l'avenir. Il est remplacé par qui? On n'a pas trop vu. Il est remplacé par Yvadelin. Attention. Bon dégagement de Alexis Jimmy. Ben, ballon toujours en faveur donc, de l'ASM. La déviation de la tête. Dégagement encore de Jimmy. Il venait. Yvadelin qui touche, qui négocie mal son premier ballon. Deuxième ballon. Et faute. Yvadelin Dorimé qui a résisté aux joueurs de l'ASM. Et là, le coup franc, ce ballon sera remis en jeu par un puissant défenseur de l'ASC. C'était Jimmy, Alexis Jimmy, Ben, dans la surface de réparation de l'ASM. Encore une faute, encore une fois, une faute subie par McIntosh Fédé. Oui. L'arbitre a donné ce jeu l'avantage, mais en fin de compte, face à l'insistance du nouveau venu. Il a senti que McIntosh est capable de faire un pile problème dans le couloir droit là, sous l'aile droite là. Il a un petit peu stoppé toute velléité. Une relance ratée par deux joueurs et contrôlée de la poitrine par Alexis Jimmy Ben sur Eden Versius. Dégagement de la tête déjà Dani. Intervention de Dani Camille. Il venait Noël à la réception de ce ballon. Ballon dégagé et contré donc par Dani Camille. C'était une tentative de dégager de Joris Guillaume. Remise en jeu avec McIntosh. McIntosh fait des laptants de soutien. C'est Joris Guillaume pour le Bali. Je dis Joris peut-être. Il pour le Bali toujours. Finalement, Paul Joli. Il faut trop de temps. Faut jouer. Toujours Jonel, mais. Ballon qui pas arrivé jeune Jonel Désiré. Le système a paqué tout le monde. Justement. Dimitrov. En direction de Fresnel. Fresnel Fédé. Il est obligé de combiner. Bien joué Joris. Joris obligé de tourner sur lui-même. Et pour orienter jette la droite. C'est Jordani qui montait. Jordani. Il fait. Pour l'instant, il glissait. Heureusement, il joue ballon encore. Il n'a pas quitté le bon partenaire. Non. Il préfère écarter donc à gauche dans la zone Fresnel. Fresnel qui a tant de soutien là. Il est devant lui. Il joue dans déviation ratée. Et Yves Nenouel. Lancé à droite, attention, c'est bien joué quand même côté ASC. Le centre. Bien joué, défenseur. Dégagement de la tête, nouveau dégagement de Joris. C'est ton santé, Aki Mieux. Oui. Qui partait bien au travail, très, très anodin. Et il y a faute. Mais il faut dire que l'équipe de l'ASM est retournée dans de meilleures dispositions. Et Kadiye terrain et agressif. Oui, tout à fait. Le centre de Eden Flercius.
du côté de l'ASC, ballon récupéré donc par Jonel Désiré. L'ASC prend Jimmy. Jimmy Amakel toujours poursuivi, joue en milieu de terrain, en jouant en retrait. En direction de Jimmy Jeff, ballon contrôlé par Dessous qui est écarté à gauche. Ça circule très bien donc à côté ASM. Encore Dessous, mauvaise passe. Et ballon qui peut retourner sous Dessous, mais c'est en dehors du champ de jeu avec une touche. L'équipe de l'ASM. Ouais. Et l'ASM qui cherche le but. Et le public qui le réclame également. Parce que c'est Nantin Dessous, première manche là. Bien Bali sous. Sous son jeu numéro 7 en finale, la salle de Fegonaïf. Et c'est lui qui avait inscrit le troisième but pour l'équipe de l'ASC. Et ça va être un corner pour l'ASM. L'homme à tout faire de cette équipe. Jonel Désiré qui va voter ce corner. C'est ça. Corner de la droite vers la gauche. Avec Jonel Désiré à mi-hauteur. Corner Baudet. L'arbitre a dit qu'il n'avait pas donné. Oui. Mais quand corner qui manquait bien travaillé ou encore, est-ce que c'est défense à SR qui toujours travaille sous les et corner yo? Parce qu'à chaque fois, moi je sens que s'il levait le haut, il joue de la tête. S'il pas levé, il joue dans le premier poteau. Justement, c'est Jean Joutier. Et est-ce que. Pas de monde qui vient dans le premier poteau, vraiment? Justement. Voilà. Et est-ce que le travail a été fait dans l'entraînement yo? Et il n'a pas répété, à coup sûr. Nantin Dessous, joue en retrait sur France Louis. France. Il y aurait mes ailes doit ça. Yves Noël. Oui. Calmement. Bonne combinaison. Il y a un petit ballon avec Dani. Dani Camille qui joue à droite. Sous Mackenzie Louis. Passe en retrait. Oui. Il y a bien circulé le ballon. Changement de côté en direction de Eden Clercius. Mais l'ASC va perdre ce ballon. Au profit donc. De aïe, Joris Guillaume qui paraît arrivé et Yves Denoël s'est battu pour avoir ce ballon écarté à gauche. Eden Clercius, attention, Yves Adelin, Romarin, mais pas une personne, pas une personne dans le deuxième poteau pour récupérer le ballon. Ça. Et c'est facile pour Williamson, Valerius qui était relancé sur Jordani. Ballon contrôlé par Norten Dessous, il joue en pile. Devant défense Lyon et le porté ballon en pile tout dans l'axe offensif. France lui, défenseur qui participait en pile dans la construction jouette là. Bonne déviation, c'est presque à une touche de balle. La passe, oui, il va pressurer le porteur de ce ballon, mais ballon bien couvri donc par Alexis Jimmy Ben. Yves-Marie Clervin. L'athlétique portier de l'ASC. De l'ASC. Supporté. Présent. Oui. Supporté par présent. Ce Ben en jaune et noir. Il n'y a pas eu d'action trop dangereuse. Ou. Avec un très bon dégagement. Façon, il s'est illustré avec beaucoup de brio sur l'unique occasion, donc, de la première mi-temps de l'ASM. Mm-hmm. Voilà. Ortega. C'est un jeu cousu des deux côtés. Et. L'ASM est à la recherche du but et l'ASC jusqu'à présent. Mais un match nul 0-0 ne va pas déranger l'ASM. Non plus. La seule différence, c'est que l'ASM aura un déplacement et assez difficile et assez périlleux au Cap-Haïtien parce que l'ASC, bon, comme c'était la seule équipe qui a infligé à l'ASC sa seule défaite dans la compétition, donc, ça ne devait pas poser trop de problèmes, trop vrai, de soucis. C'est en phase aller que nous sommes capables de dire, ASM a créé la surprise 3-0 en déplacement. Mais n'oublie pas, il n'y a pas si longtemps, quelques jours de cela, le Baltimore de Saint-Marc est tenu en échec. L'ASC, et au match retour, l'ASC était pratiquement fort pour les Saint-Marc. Parce que depuis quelques temps, le Parc Saint-Victor est devenu
et une citadelle et imprenable pour l'équipe de l'ASC. L'ASC gagne presque tous ses matchs au Parc Saint-Victor. C'est pourquoi et quand on va jouer, quand on va essayer de défier l'équipe de l'ASC au Parc Saint-Victor, c'est pas facile. Là, téléspectateurs, on a regardé en pile animation au niveau des gradins du Parc Bayas du côté de Mirbalet pour la finale aller du championnat national de première division, la série d'ouverture entre l'ASM et l'ASC du Cap-Haïtien. C'est ça. Yves Adelin qui essaie de bien gérer ce ballon. Il y a faute de McIntosh. Contrairement à l'équipe de l'ASC, si dans le département du Nord, il y a trois équipes capoises en première division, mais pour le département du plateau central, il n'y a que l'ASM. L'ASM, c'est l'équipe qui représente et le plateau central, bas et haut plateau. Bien. Et l'ASC, Berman Jacques, fait partie, nous capables de dire, de une quantité de clubs qui accèdent en première division et jusqu'à présent qui poco relégué en division inférieure. Et l'ASC a connu la deuxième division, justement. Le FICA c'est la même chose. Il y a également le Baltimore et de Saint-Marc. Le Baltimore a connu la deuxième division, non, je ne crois pas. Non. Non, pas il n'y a encore. Que le Tempête, le Baltimore et le Cavalier qui n'ont pas connu la deuxième division. L'ASC joue bien depuis quelques minutes, messieurs. Eden Slercius qui déborde et vite son adversaire joue en retrait en direction de Danny Camille. Danny Camille, il a toujours bien géré toute possession de balle. Passe en retrait sur Jimmy, Alexis Jimmy Ben, combine avec son partenaire de défense. C'est Against Michel. Et oui, ça revient sur Jules Valcourt et Against Michel. Jules en retrait sur, bien sûr, Alexis Jimmy Ben. Jimmy qui roule et en direction donc de Yvenet. Mais ASM bien cadré terrain, tout fait que justement il n'y a pas qu'à trois avancer. Il a cherché passer ballon en pile pour créer brèche là et joindre espace jeune occasion. Tactiquement, c'est un match qui respectait toutes consignes de l'entraîneur. Et vous sentez que l'ASM montait dans de meilleures dispositions. Il n'a pas paniqué. Même si ASM a un ballon, il a quitté le fait jouer là. D'autant plus que ASM fait jouer là plus dans moitié terrain que dans moitié terrain équipé ASM. Il n'y a pas porté danger à vraiment dans quand équipé ASM. Mais autre point à signaler, au sein de l'ASC, manquer un joueur qui est capable de faire la différence, qui peut prendre l'initiative, je là, pour aller nous capable de menacer milieu de terrain et entrer dans l'entrejeu et offrir nous capable de quelques caviar à une attaquant équipe ASC. Ce n'est pas le cas, c'est un coup franc. On va voir ce que cela va donner. Et ballon repoussé par la défense, récupération à nouveau, toujours pour les Caprois, à l'entrée de la surface de l'équipe de l'ASC, de l'ASM, pardon, ça capable de créer quelque chose. Attention en pleine surface, le danger est encore là. Retour à la Ronaldo. Et le ballon est passé nettement et au-dessus de la barre transversale. Une action assez spectaculaire. Spectaculaire. Mais maintenant, là où il y a un ballon qui a attaqué, ou il y a une pression, il y a un pic comme ça a fait. Et c'est pourquoi peut-être qu'ils sont si redoutables au Parc Saint-Victor. Et déjà, mais si on joue dans la 65e minute de jeu, il y a 20 minutes qui passaient dans la deuxième période. Là. Ouais. Et quelques à peu près la moitié de la mi-temps. Tout à fait. Ça explique que tu as joué parce que le temps passé nous parlons de nos comptes. Yves Denouel en retrait sur Alexis Jimmy Ben qui prend et cherche un partenaire pour le jeu ballon. Il gagne justement à disposition. C'était donc Danny Camille. Passe en retrait encore une fois. Hey, ballon perdu. Journal Désiré. Bon tacle. Et faute. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a faute effectivement, Berman. Il y a faute, à mon avis, il y a faute. Peut-être qu'on va revoir la passe en retrait. Et Danny Camille qui perd l'allée. Jonel vole le ballon. L'allée. Non, assez méchant. Oui. Là, c'est non seulement faute et carton. Et dommage, arbitre là, pas sanctionné par un carton. Celle nous qui gagne ça.
Celle nous fait le concert. Celle nous fait ça, reprise, ralenti. Monsieur, il y a un ancien joueur de l'Aigle Noir, ancien joueur de la sélection de Mirbalet, le père de Jude Dorville, de l'Aigle Noir, qui tout près, nous capable dit, de studio radio et télépacifique au Parc Bayas pour la finale aller du championnat national de premier division. Valérius, attention! Il a tenté le coup. Et Yves-Marie Clervin était sur l'action. Oui. C'est le tir bien placé. Oui. Et un tir qui pouvait surprendre Yves-Marie Clervin. Ça pouvait surprendre Yves-Marie Clervin. Heureusement, il était concentré sur l'action. Et il a pu dévier la balle. Corner de la gauche vers la droite. Est-ce que c'est bien reboté maintenant? C'était bien reboté. Attention! Et il y a faute. Il y a faute. Et vraiment, et là, son véritable boulet de canon, Jacques, oui, réalisé ça par le joueur de l'ASM. Qui... Ça a été un tir assez puissant. Et c'est Yves-Marie Clervin qui va relancer le jeu pour la formation de l'ASC. C'est toujours 0-0 ici au Parc Bayas pour cette finale allée du championnat haïtien de football professionnel. Série d'ouverture 2018, ballon en discussion dans le mi-temps terrain. Jonal Désiré, il est de tous côtés. Antenne des sources, antenne qui lance. Mauvaise relance, bon placement de Alexis Jimmy Ben. Danny Camille qui a écarté sur Eden Clercius. Il revient sur Danny Camille. Danny Camille, un petit peu pressuré par Joris Guillaume, remet le ballon encore une fois à Eden Clercius. Eden Clercius qui avance le ballon au pied. Il se rabat dans l'axe. Eden Clercius, la passe à Suri Vnenuel qui va décaler à droite. Oui, bonne circulation du ballon du côté de la SCA avec ce ballon contrôlé de repas encore une fois. Et Guillaume et Jules Valcourt qui n'a pas réussi dernière combinaison ensemble ballon avec Mackenzie Louis. Et c'est pas donc on touche en faveur de la formation de l'ASM. ASM qui à chaque fois pour remettre le ballon en jeu, il y a quelques difficultés. Encore Mackenzie Louis qui remet le ballon en touche. Et c'est pas rapidement joué par Fenel Fédé sur Sandino. Sandino qui joue en retrait et sur bien sûr Nantaine des Sources, ballon contrôlé donc par l'autre frère Fédé McIntosh. Il jouait sous Jonel, bien surveillé cette fois-ci par Eden Clercius. La passe est tentée en direction de Ortega, mais c'était joué par Mackenzie Louis. La longue balle. Tu dois montrer de télévision. Longue transversale, on change de côté. Et c'est donc en défense qui est obligé à tourner là. Aïe aïe aïe. Eden Clercius, il joue bien. Il joue bien. Ils sont confiants. Ils savent ce qu'ils font. Et cette équipe de l'ASC sont venus chercher le nul également. Ouais. Parce qu'ils savent qu'au Cap Haïtien, ils peuvent faire la différence. Un très bon latéral gauche, Eden Clercius, qui a été à l'origine de cette triangulation presque parfaite. Attention, il y aura bien sûr Mackenzie. Mais il n'y a pas de chance. Et c'est ça qui montre qu'il y a une très bonne défense. Il n'y a pas naïf. Il n'y a pas aucune décision à la légère quand il faut défendre. Sortie de touche au profit de l'ASC. L'ASC qui continue à dominer. Il y a la recherche de l'ouverture mais du score. Mais on peut parler de domination. Val. C'est vrai qu'il joue bien au football. Bien. Il y a une meilleure possession de balle. Mais comme si... Moi, l'équipe a dominé, c'est là. Il a shooté sous goal, gardien a sauté ballon. Parce que pratiquement, a essayé pour qu'on fasse trois tirs au but dans le deuxième mi-temps. Bon, et là, Camille est à terre. Oui, qui est tendu sur la pelouse. Et le score, c'est toujours zéro but partout. Et messieurs, à rappeler, ce matin, il y a une délégation qui sortit de Montréal étant amenée par Fanfan Turenne et le docteur Benoît, qui arrivait dans le pays. Et demain, à 10h, la mairie de Delma, délégation ça, pral poté support à l'équipe nationale dames U20. Yo pral accorder une prime de qualification à chaque joueuse qui fait partie de l'équipe nationale U20. Et encore une nouvelle fois, la radio et télépacifique du côté de Delma, l'encadre remise de prime de qualification ça à nos filles U20 qui pral représenter nous espérer ça valablement du côté de la France, l'encadre Coupe du Monde qui pral dérouler très bientôt. Merci à nos compatriotes du Canada. Mais maintenant, c'est vrai que ce don-là va servir aux filles.
mais nous avons besoin de beaucoup plus de choses. Certainement. Parce qu'il nous faut renforcer les infrastructures, il faut encourager davantage la pratique du sport dans le pays. On a besoin de championnats et féminins assez et compétitifs, et ben c'est quand même bienvenu et ce petit don-là. Oui, ça c'est sûr, parce que nous pas capable de sélection nationale sans nous pas gagner des clubs, sans nous pas gagner des compétitions. Des compétitions qui a nous, fait. Nous gagnons faire des détections, nous réunir une justement. Cinquantaine, nous caserner au rang de la Croix des Bouquets, nous capable de faire un coup, nous capable de faire un exploit, même Jean Uvin en fait yeah. Mais c'est sûr et certain, là nous arrivons à partir de 21-22 ans, nous pourrons payer ça très cher au niveau des seniors. Et d'ailleurs, nous faisons payer ça au niveau senior là, avec élimination devant équipe jamaïcaine. Et drôle de coïncidence, justement. Jamaïque ça nous t'es battu, nous t'es privé pour avancer longtemps au niveau des U20. Justement. Et ça prouve eux-mêmes, ils ont progressé, ils ont gagné des clubs qui ont joué, ils ont vu paraître beaucoup plus fort et plus compétitif comparativement à nos filles. On retourne dans le match. Raté la qualification. C'est toujours zéro but partout. Et là, nous suivions un attaque de l'ASM qui ratait récupération au niveau de la défense de l'ASC. Eden Garcius, c'est très bon, très utile. Il déborde bien, il lit très bien le jeu. C'est Eden Garcius. Et combinaison encore une fois ratée du côté de l'association sportive capoise. Et c'est donc McIntosh Fédé qui va remettre un jeu pour la formation de l'association sportive de Mirbalet. Il prend du temps finalement et il prolonge dans le couloir droit. Ballon dégagé et joué donc par et bien sûr Jonathan Désiré qui permet à Norten Dessoust de décaler à gauche sur Fresnel Fédé. La passe à l'entrée de la déparation. Ballon repoussé donc par la défense capoise. C'est contrôlé encore par Norten Dessoust. Norten Dessoust qui joue sur Fresnel Fédé qui joue avec ballon et fait reprendre dans Pieli. Et c'est donc joué Kounia par Almonor qui fixe France. Il joue plutôt dans le coin droit sous Mackenzie qui fait coup d'œil là pour le centre. Mackenzie fait longue balle. Il change le net sous Yves Adelin, Romarin. Et mais pas de problème du tout pour le portier. Ce qu'il faut voir, et Vaval, c'est vrai que l'ASC a la possession de balle. Mais dans les 25 et derniers mètres, l'ASC n'est pas présent. C'est pourquoi quand l'attaque a le ballon, il doit attendre le support, c'est-à-dire il n'attaque pas en groupe, ce qui fait que l'ASC n'arrive pas à marquer. Le problème des Caprois, c'est dans l'entrejeu. Il n'y a pas vraiment gagné en dépositaire justement dans l'entrejeu. Mais au niveau construction, moi pense rien à reprocher. Ce sont équipes qui ont fond de jeu, mais moi pense qu'ils ont manqué une certaine de compact. C'est comme si l'équipe est coupée en deux. En deux. C'est le vrai mot. Eden Garcius qui joue encore en retrait. Ballon contrôlé donc par Ivner. Oui, il y a trois. Le centre, Malaisien. Attention. Mais la défense est. Et Jordani qui encore imposé comme maintenant défense ça. Mais il est le maître. Avant. Le Sandino maître. Pour la réception. Passe en retrait de Sandino. Oui. Bien joué, Dessous. L'antenne Dessous dépossède le ballon ça à la passe. De Vilgain Junior, mais pas un problème encore une fois pour Valérie Williamson. Intervention de Yves Noël devant McIntosh Fédé qui prend le bénéfice du ballon. Hein. Sortie de touche, 30e minute de jeu. Nous à 15 minutes de la fin de la finale aller entre l'ASM et l'ASC du Cap Haïtien. C'est toujours zéro but partout. Peterson Eliassin. Oui. Et Peterson Eliassin. Sa place oui. Et on renforce l'autre jeu et il va jouer sur le côté gauche. Mm-hmm. Sur le côté gauche de l'équipe. Encore McIntosh. Centre joué par la défense de l'ASC. Jimmy, il venait. Non, mais il n'y a personne. Personne. Papa le disait. Personne. Il n'y a pas quelqu'un pour faire le jeu, pour l'équipe de l'ASC quand ils attaquent. Franz Giordani qui dribble son vis-à-vis. Giordani qui pousse, qui a essayé de donner donc sur Jonel l'intervention. Ils sont très présents, très concentrés. Ils essaient de gêner toutes les actions, toutes les attaques de l'ASC. McIntosh dans l'axe, Sandino Fresnel. Changement
Et important. Attention Almono à la lutte avec France. Sous quitte nom ça a chapé la France problème. Et c'est intelligent. Ça Renel fait là. Il fait Frenel vini dans zèle droite dans bon côté et McIntosh il renforcé soulevé. Justement, l'entre-jeu parce que c'est vrai que Frenel dans mi-temps là mais en pile fois pour aller passer à droite. Et justement, c'est vrai qu'ils n'ont pas encore marqué et pendant ce match mais ils ne veulent pas perdre non plus parce que finir et le match ce score ne va pas déranger 0-0. Donc la SM va garder toutes ses chances pour le match au retour. Bon, les deux équipes. Particulièrement la SM, parce que la SM qui reçoit, normalement la SM devait marquer un but, mais dans le cas où on ne peut pas marquer, il ne faut pas encaisser non plus. Et pour conserver toutes ses chances au match retour. Bon, tout à fait, mais c'est vrai, j'en dis, hein, parce que immédiatement, aller dans le deuxième match à 0-0, toute bagaille possible. Parce que par exemple, dimanche dernier, c'est vrai que ASC termine à 0. Au niveau de la régie, monsieur, il y a n'importe qui moment. Les téléspectateurs, yo, et frappe vraiment, ils ont tiré vraiment rapide, réalisé et repoussé par le portier de la formation de l'ASC en corner. Tout à fait. Et une frappe qui pouvait surprendre le gardien s'il n'était pas concentré. C'est toujours à faire colère de l'année. Et ça fait très longtemps, nous pas remarqué, nous capables de dire, genre de grand tireur ça dans le championnat national de première division et même dans le foot haïtien. Dernier gros tireur que nous avons gagné, ça a été remonté à Carlo Bréville, Gérald Romulus. Et nous pas songé. Tu les as vus jouer? Bien sûr, j'ai eu la chance de voir. Ils sont partout. PHE sur les avec le violette au stade en 1983. 83. Carlo Bréville. Je n'ai pas eu une échappée de Sandino. Aïe. Je n'ai pas eu cette chance. C'est la meilleure équipe du Violet dans les années 84. C'est qui a pas remporté le titre de Ortega, au niveau de la CONCACAF. Avec une génération dorée. Avec les Charlie Eliazar. Eliazar, il a porté. Attention, débordement sur le côté gauche. De ce nouveau venu Peterson. Peterson d'Elias. Et ce match est patronné, Vavalpa. Oui, HL Construction, en matière de construction, attention, il y a Betonex également. Attention, danger. Béton armé et route, attention, c'est pas fini, possibilité. La frappe quand même, tentée par Dani Kami, mais récupérée par Franz Louis. Frenel. C'était une frappe sans conviction. Jordani. Extrême raid en bas bouchon. Qu'est-ce qu'il y a sur le bouchon? Extrême raid. Qu'est-ce qu'il y a? Extrême raid tout court, Jacques. Et puis le Ritiako. Sur le bouchon. Oui. Et là, téléspectateurs, on a regardé quelques mordus. Perchés sur les arbres. C'est ce qui fait le décor de notre football aussi. Et parce que les gens qui nous regardent de partout, ils peuvent voir combien et les fanatiques sont des amoureux fous. Tout à fait. Et le parc Bayas qui est situé en pleine nature. En pleine nature. Et ils peuvent le remarquer également. Et là, une action offensive avec Ortega encore qui n'arrive pas à bien gérer et ses possessions de balles. C'est jouant votre cas sur Mackenzie Yvenet. Yvenet Vilgain Junior. Et un ballon qui va sortir en touche, qui va franchir la limite du terrain. Nantin Dessous, il lance Jonel, intervention de la tête. Il fallait adresser cette passe. Il fallait réussir cette passe. Et Alexis Jimmy. Bon tacle. Il est bon, il est agressif. Jordani. Il est toujours là. Il ne lâche pas. Non. Il ne lâche pas ses adversaires. Jeu de main. C'est toujours le bon geste. Ouais. Il va de l'Aéromarin. Il va y avoir un changement pour l'équipe de l'ASC. Et Sardouin qui fait signe. C'est le numéro 4 de l'ASC. Ronaldo Gustave qui va faire son entrée sur le terrain.
mais tout le monde va avancer plus en bas. Là. Justement. Les deux entraîneurs qui avancent leur pion. C'était très tactique ce match. Tout à fait. Très tactique. Et nous approchons vers la 80e minute de jeu, messieurs. C'est toujours le score de départ. Zéro but partout entre l'ASC et l'association sportive de Mirbalais. Le public mirbalaisien qui attend ce but. Ce petit but. Au moins un but. Et pour aller en toute quiétude défier l'ASC et dans son entre du parc Saint-Victor. Il faut dire, et l'année dernière, quand l'ASC avait remporté le titre, là on voit l'action. Et Jacques, il y a un ancien de l'Aigle Noir, un ancien joueur de l'équipe de l'ASM qui est à côté de nous, qui t'a voulu dire un petit quelques mots, paraît-il, sur la finale et pourquoi pas sur le foot haïtien et un gros remerciement à tout staff Pacifique là. Bonsoir Jude. Bonsoir monsieur, et m'a profité de saluer tout staff Pacifique qui là. Pour me dire bonsoir et ma pauvre salut tout auditeur et auditrice Radio Pacifique pour me dire bonsoir. C'est ça. Mais vous êtes ancien joueur de l'Aigle Noir? Oui, je suis ancien joueur de Mirbalais, champion deux fois, l'année 83 et l'année 89. Je suis champion deux fois à Mirbalais, je suis entraîné football Gounia, je suis entraîné HIM, Samy La Santé. Merci Jude, nous très contents. Retrouvons encore une nouvelle fois. Ça fait très très longtemps que tu es joué dans l'Aigle Noir dans les années 80. 84. Changement. C'est Vilguin Junior qui laisse sa place à Rinaldo Gustave. Et Gustave qui remplace Vilguin Junior. Junior qui a joué un assez bon match. Et un autre changement, la rentrée de Terson Philippe, également côté ASM. On joue la dernière carte. Oui, les 7 dernières minutes du temps réglementaire de cette rencontre. Soit on souhaite conserver ce score, soit on peut marquer à tout prix un but. Maintenant. Côté et c'est l'arbitre de la rencontre, Jacques. Maintenant, Jacques, il y a un constat évident dans le foot haïtien. On manque de créativité dans l'entrejeu et c'est un gros. Ah là là. Et là, il y a un bouteille bière que vous lancez. Sous pelouse là, est-ce que l'arbitre là après le campé match ou encore commissaire là après le mandé pour au campé lit? Et là, on sentit que le public là un peu mécontent et nous souhaitons que le match va terminer dans un bon esprit. Jean, ça a commencé. Et bon, et les dirigeants, les agents de sécurité, c'est de remédier à ce problème. Et c'est un excessif peut-être qui a fait ce geste. C'est vite passé. Il n'y a pas de place pour ça, pour cette fête. Et Yves Noël qui a été touché. Il grimace un petit peu sur cette intervention. C'est du rentre dedans de Jordani. Oui. C'est vrai. C'était plutôt de. Nous sommes la télé de l'innovation. Décembre. La télé innovante. Et arrête de jouer momentané encore une fois ici au Parc Bayas. Pour une Coupe du Monde, à nul autre pareil. Il n'y a que Télé Pacifique qui puisse vous offrir, qui puisse combler vos attentes. Tout à fait. Et Jacques Berman, c'est une grande première en matière de télévision en Haïti. Le championnat national de première division après plus d'une trentaine d'années, enfin, yon finale de championnat national retransmettre en direct sur une station de télévision en Haïti. Et même au stade national Sirio Kator, moi pas rappeler yon finale de championnat national te retransmettre en direct. La Coupe Radel, oui, avec la télévision nationale. Mais là maintenant, écoute, en Haïti, au niveau de la province, c'est en grande première. La formule système de championnat, ça, une finale de championnat national, retransmettre en direct en province. Ouais. Et nous sommes là, c'est pour innover. Et nous nous approchons donc de la fin de cette rencontre. Encore 5 minutes, plus le temps additionnel. 5 minutes. Ça va faire environ 8 minutes. Pour que l'ASC inscrive ce petit but pour que l'ASM fasse le résultat et souhaité gagner ici au Parc Bayas avant de
de se rendre au parc Saint-Victor du Cap-Haïtien. Là où il est sur son banc, Berman, et Mancini Telfort, en train de se mordre les doigts. Tout à fait. Parce qu'il avait la possibilité d'ouvrir le score pour la puis changer le match. Tout à fait, tout à fait. Et ce serait donc pour la joie de ces fans qui ont fait le déplacement depuis le Cap Haïtien pour venir ici à Mibalet, assister à cette rencontre, à cette finale. Malgré le score, zéro but partout, le public de l'ASC, les fans de l'ASC qui retrouvaient dans les gradins, ils continuent à chauffer l'équipe de l'ASC. Attention, peut-être c'est un bon coup. C'est un bon coup, non, avec Peterson Eliassin, mais c'est raté. Intervention magistrale, intervention intelligente. Ronaldo Gustave écarte sur, bien sûr, Mackenzie Louis. On change complètement de côté. Il faut surveiller ce bonhomme, Evan Clercius, qui a pu jouer sur Almonor. Bernard Almonor, mais cette fois-ci, il avait devant lui le puissant, l'intelligent, l'infatigable défenseur central de l'ASM. Ce qu'on a remarqué également, Berman et Vaval, c'est que les deux équipes ont venu pour ne pas perdre. Et ils n'ont pas pris vraiment de risques. Et pendant ce match, le match était trop calculé. Et c'est vrai que tactiquement, ils respectaient les consignes des deux entraîneurs. Mais c'est un grand problème pour le football haïtien. On ne prend pas assez de risques. On ne va pas trop vers l'avant pour marquer des buts. Et ça, parfois, et diminue le spectacle. Tout à fait. Dégagement. Et récupération, attention, non. La frappe tentée de loin par Yvenet. Et ce ballon trop soulevé. Au-dessus de la barre transversale des buts de Valérius Williamson. Point à signaler, Jacques Eberman, c'est concernant les attaquants. Les avants, on regarde l'ASC, y compris l'équipe de l'ASM, n'ont pas remarqué vraiment des attaquants qui pesaient. Non. Et c'est pas sans raison, m'a demandé, forme ça ou encore, est-ce que l'IPA un peu vérifié, justifié au niveau de l'équipe nationale? Parce que regarde le niveau des attaquants de l'ASC, idem pour l'association sportive de Mirbalet. C'est des avants, on pensait, techniquement, qui pas progressé du tout. Parce que là, le football haïtien, je pensais au niveau tactique, ça méritait un gros débat avec la direction technique nationale des entraîneurs. Il y a des sujets que je pensais, faut direction technique là, mettez-vous sur le tapis et discutez-vous en fin de saison avec des coachs pour dire bon, voilà le bilan du championnat national, voilà le bilan, nous capables de dire des clubs au niveau de défense, au niveau de milieu de terrain, animation, jouette nous, mes points faibles nous défensivement, mes points faibles nous au niveau de la ligne d'attaque. Là, regardez, pendant 90 minutes, là, je ne peux rappeler un attaquant qui vraiment brillait, qui pouvait les plans. Bon, le seul qui réalisait là, c'est un milieu de terrain. Il y a eu l'action ratée complètement par l'attaquant de l'ASC en première mi-temps, qui était vraiment exécrable. Et Mancini, il faut que c'est plus facile pour défendre. Il y a tout mettre sans souli. Il faut que tu travailles cette plaie en attaque. Et les il ne faut pas jouer pour ne pas perdre. Il faut jouer pour donner du spectacle. Il faut jouer pour marquer prendre des risques. Donc c'est ça le jeu. Il faut jouer pour gagner en fin de compte. C'est vrai. Justement. Que. Et il continue mais attaque. C'est bien défendre, mais là, et attention, bon ballon. Yvan Noël à la réception et le dégagement en direction de Yvadne Romarin. Bien joué Dani Camille. Ballon sauvé. Paris Vadelin, mais il y aura toujours Jordani Valéris. Toujours Jordani qui fois ça. T'es raté ballon. Hein, mais qui est touché par pied Vadelin. Ça permet donc que Williamson relancé à gauche en direction de Peterson. Bien joué en retrait. C'était sur Dimitchev. France lui, encore Dimitchev. Dimitchev décembre, il jouait dans l'axe en direction de Fresnel Fédé. Il a senti dans la zone, ça aura un petit bagaille. Contrôle poitrine de Peterson. Et ballon était franchi le terrain selon Abitlan. Et là maintenant, nous allons jouer le temps additionnel. On devrait jouer le temps additionnel maintenant. Justement, nous sommes entrés dans l'état additionnel. 3-4 minutes de temps additionnel. Ouais. Non encore indiqué par le quatrième officiel. Le public attend
ce petit but libérateur. Mais c'était une deuxième mi-temps assez hachée, Berman. Oui. Parce que il y avait moins d'agressivité. Ouais. Si dans les 15 premières minutes, et c'est-à-dire vers la 50e et jusqu'à la 60e minute de jeu, et on voit une équipe de la SMBALE assez conquérante, mais après on a vu un match assez quelconque. Les équipes ne voulaient pas prendre. C'est le dernier choix. Oui, on a eu une deuxième mi-temps moins spectaculaire que la première. Justement. Et il y avait presque pas d'occasion de but, alors qu'en première, et la SM en a eu peut-être deux ou trois, et la SM une seule avec une intervention magistrale de Ivan Éclairvin. Et les fans de l'ASC continuent donc de pousser leur équipe. Et ils étaient venus pour prendre du plaisir. Eh bien, ils se sont amusés avec peut-être ce résultat 0-0. Ils n'ont pas perdu, ils n'ont pas encaissé de but. Donc, ils attendent donc l'ASM de pied ferme au Parc Saint-Victor dimanche. Pour le match retour. Et c'est Stenio Laurent. Ouais. Le numéro 32, 23. Oui, 32. De l'ASC. Makento. Joué en direction donc de Ortega. Yogenen. Bien joué, Aïs. Et c'est venu jusqu'à. Oui. On nous permet de participer à cette fête. Et cette belle fête. C'est-à-dire que les fans de l'ASC sont en confiance. L'équipe est en confiance. Et aussi, ils ont fait le déplacement pour venir ici de Cyclone. C'est parce qu'ils croient en l'ASC. Et l'ASC qui est. Quelle animation! À la recherche. Parce que la dernière fois, l'ASC n'avait pas remporté le titre à domicile. Et maintenant, ils espèrent le remporter et au Parc Saint-Victor. Yeah. Et nous sommes dans les temps additionnels, c'est toujours zéro but partout. Beaucoup franc, contrôle de la poitrine. Attention, Peterson Eliassin. Encore Peterson, il attend du soutien. Il a mis trop de temps. Il ne va pas en trouver, Pas de soutien. Il a joué en retrait, le centre, non. Ah, qui mieux. C'était sorti en touche. C'était sorti. Ce sera peut-être la dernière action de cette rencontre, de cette finale allée. On voit les fanatiques de la SC qui jubilent. Ouais. C'est comme si. Jusqu'à 3, hein. Presque 4 minutes. Hein. Voilà. Selon notre chronomètre. Parfait. Mais seul voilà. Le chronomètre de l'arbitre. Oui. Compte. Compte. Et voilà, c'est fini. Pas de vainqueur entre l'ASC et Clanon. Pas encore. Il ne l'a pas encore décidé. Pas encore. Bonjour les toutes dernières secondes. Les Jordani, fans de l'ASC. Valérius, il consulte son chronomètre, monsieur l'arbitre. 4 minutes de temps additionnel. Il va mettre la fin dans quelques instants, mesdames, messieurs, à cette finale. Allez, voilà. Voilà. 0-0 entre l'ASC et l'ASC. On peut attendre les fans de l'ASC. Et il s'est dit remporter. Il venait de la victoire. C'est ça. Donc, l'ASC qui est venu, et c'est la déception ici au Parc Bayas. Les fans qui sortent bredouilles, Berman. Oui. Parce qu'ils espéraient au moins, même si c'est une victoire sur la plus petite des marges, une victoire de l'ASM, ce qui n'a pas été fait. Mais dans l'ensemble, c'était un match assez disputé. Et assez. Yes. Nous sommes toujours. La Télé-Pacifique. Abibal. Impression après le nul ou obtenu un déplacement à Soya face à la formation de l'ASM. Nous venons d'assister. Et bonsoir à la Télé-Pacifique. Et son première finale du championnat d'ouverture. Et 2018. Son plaisir pour m'avoir à Soya.
a été assez animé avec des attaques de part et d'autre, particulièrement de l'association sportive capoise qui a montré beaucoup plus de maturité, beaucoup plus d'expérience, qui a joué presque sans pression en première mi-temps, et ce qui devrait donner un résultat beaucoup plus positif, ce qui devrait porter des fruits, mais ça arrive en football, ça arrive, bien joué, créer même les occasions et ne pas pouvoir inscrire de but, c'est ce qui est arrivé à l'ASC et à Montigny d'effort qui a été bien servi par Almonor, mais malheureusement il n'a pas fait le geste qu'il fallait. Et du côté de l'ASM, bon, c'est vrai qu'ils ont subi le match en première période, mais la défense était au rendez-vous. Ils ont bien défendu, ils ont bien attaqué après avoir été un petit peu malmené par les nombreuses attaques de l'ASC. Et il fallait une bonne intervention, un bon réflexe de Yves-Marie Clervin pour empêcher le but de l'ASM en et première période. D'après ce qu'on a vu, l'ASC était venu chercher le nul. Et l'ASC, c'est vrai, avait la domination au milieu de terrain. Et l'ASC avait la possession de balle, mais l'ASC n'était pas percutant et en attaque. Cette équipe de l'ASC, et c'est comme s'ils savaient qu'au match retour, puisque au Cap Haïtien, et c'est une citadelle imprenable, et qu'ils vont battre l'ASM. Et parce qu'on pouvait voir comment les fans de l'ASC étaient contents à la fin de la rencontre, Jonel Désiré et le capitaine de l'ASC sont avec nous. Ils ont joué un très très bon match, et surtout Jonel qui était l'homme à tout faire de son équipe Vaval. Merci Jacques, et nous gagnons avec nous deux joueurs. Nous gagnons Camille de l'ASC et Jonel Désiré après le match en direct depuis le parc Bayas sur la chaîne 54 Télépacifique. Jonel, à domicile ou pas arrivé marqué, et équipe ASC a tenu ASM en échec 0-0. Bon, et ça quitte un coup à main en bouche nous parce que nous nous déplacer avec un objectif qui c'est gagner un premier match à l'IA. Comme ça va arriver, c'est le foot, nous allons travailler à l'entraînement, et puis dimanche si devait pour être capable de faire essentiel là, ça tout le monde attend. Camille, un bon résultat pour l'ASC, 0-0 pour nous là au recevoir dimanche au Parc Saint-Victor. Oui, c'est un bon résultat pour nous, et du côté de droit tout comité, tout gens, c'est vrai fanatique qui ont été déplacés ensemble avec nous, et ont été impatients pour que nous sortions avec une victoire qui était positive. Grâce à Dieu, nous fait tout ça qui dépend de nous. Nous sauvons nul qui est très précieux pour nous. Nous croyons que nous avons obligation pour nous faire la différence dans la caille, nous dans la coupe haïtien. C'est vrai, mes balais sont adversaires que nous avons plus respect pour lui. Et ancien collègue moi qui c'est Jonel Désiré, l'année dernière que nous remportons un titre de champion avec ASC, ça qui n'a pas fait depuis après 20 ans. Et je crois que jeudi à me en face, c'est un grand plaisir. Je crois que jeudi à nous livrons une très belle prestation avec grand public là. Et bien que nous avons toujours jeune des gens qui peut être mécontents de résultats, mais nous-mêmes nous très précieux pour nous. Mais dimanche, devant un public, où pensez-vous être capable de renverser la situation? Oui, c'est football. Je crois que jeudi, la équipe qui pire en confiance dans la relais ASC, parce que nous sommes en déplacement, nous sommes avec un nul. Je crois que la caille nous devant grand public, nous, le pape l'autre bagaille qu'on victoire. Mais Jonel, gagner des déceptions à Soya ou pas arriver à trouver le chemin des filets. Et dans l'ensemble, c'est toute équipe là qui pas arriver à marquer un but ce soir pendant les 90 minutes. Bon, même ça qui t'en goût à mettre en bouche, c'est football. C'est trois résultats, c'est soit gagner, soit perdu ou bien font match. C'est match là qui vive aujourd'hui là. Nous prenons parce que c'est le vin, nous allons travailler à arrache-pied puis pour maturer tout, pour être capable d'atteindre l'objectif qui c'est gagner le titre national. Là. ASM habitué à gagner bataille SC au Cap Haïtien. Dimanche, public ASM non, mettre rester confiant. Je vais réitérer à nouveau le même exploit qui a été fait, la série d'ouverture, la 3-0. Oui, c'est ça, je m'a demandé avec le public là, toujours être confiant en nous, toujours être supporter nous. Et puis, je souhaite pour tout le grand public là, faire des déplacements avec nous, supporter nous dans la Cour Cap, parce que nous avons gagné un peu de temps depuis que nous n'avons pas arrivé à un titre national. C'est ça, nous-mêmes, nous avons comme objectif dans tête nous là, c'est remporter le titre national là avec ASM. Camille, le dernier mot, ASM te battu 3-0 la série d'ouverture là, et là, on fait 0-0 la Caillou. Ou pensez ou pral prendre revanche ou dimanche? Green bagaille qui est plus important pour moi et pour toute fanatique. ASM débattement 3-0 la carrière. C'était match
de phase que le passé jeudi à son autre championnat. Si son autre championnat, son autre motivation. Jeudi, ce n'est pas championnat national là, mais jeudi, c'est titre cap jeu. Je crois que jeudi, en tant que capitaine de l'équipe football, ça, et je dois en pile. Je dois en pile. Et c'est à bon plaisir pour que, avant même quitter l'équipe, ça, pour me quitter là deux, trois titres. Je bouille. Dimanche, si je veux cap 27, je crois que je vais au deuxième. Non. Mon cap maintenant, titre de champion. Je suis très confiant parce que ça, c'est l'essentiel là, jeudi, à Nevin faire dans la Koumi Balai. Si nous avons fait là, que la carrière a fait plus parce que n'a pas grand public nous et n'a pas plus confiance. Télépacifique, remercie. C'est moi qui remercie. Jovenel, le mot de la fin pour téléspectateurs et auditeurs de Radio Télépacifique ou en direct. Bon, dernier mot à l'Ibalot, c'est m'a demandé avec grand public là, toujours été confiant en nous parce que nous-mêmes, objectif. Alors, c'est aller à l'Haïti national là parce que nous jeunes, grand pile jeunes qui t'a et lever défi ça parce que nous avons qualité pour ça. Et ma dernier mot, c'est demander au grand public là, faire déplacement avec nous et puis pour nous atteindre nos objectifs. Merci, Jovenel Désiré et Ronald, le joueur de la formation d'équipe de l'association sportive de Mirbalet, Berman, que nous retrouvons un ancien, un aîné de la presse haïtienne. C'est ça, c'est Mirabeau lui qui est correspondant et Galaxy et depuis un paquet de temps. Qui, 27 ans. Et Neg Mibale, alors rapidement, Mirabeau, 0-0. Public, quand tu attends peut-être un peu plus, il y a une déception? Je ne dis pas une déception. Je suis toujours champion là, au Cap Haïtien et je garantis dimanche qu'il y a une coupe là. Et ça me dit ça. Dernière déclaration, dernier donc impression avant que nous remettons maintenant Jacques Capra au Prince, puisque nous te promettions un grand coup et c'était ça le grand coup. Et être ici à Mirbalet pour transmettre en direct cette finale allée de l'édition 2018 du championnat haïtien de football professionnel. Et vous savez que la télévision joue un rôle important maintenant et dans le développement du sport en général. Et puisque le football c'est notre sport national, et la Télépacifique veut contribuer à l'évolution, à l'émancipation du football haïtien en général. C'est pourquoi la télévision, le PDG, nous voulons que Télépacifique soit présent sur toutes les pelouses, sur tous les terrains du pays, afin d'apporter pour tous les citoyens haïtiens et pour tout le monde en général, quel que soit là où il est, et les matchs qui se jouent en Haïti sur Télépacifique, c'est la télé innovante. Et ça a été un coup, on a tenté ce coup, on l'a réussi, ce n'est que le commencement, on va continuer pour aller et de l'avant. Tu peux dire, Evaval, que ça a commencé avec le marathon d'Ekaï, retransmis en direct d'Ekaï. Nous sommes sur tous les terrains, toute la discipline sportive nous intéresse, et de l'athlétisme au football féminin, et aujourd'hui cette finale allée du championnat national. Tout à fait, Berman et Jacques, c'est un début, et ça va être très très long avec une équipe expérimentée, également assistée avec des jeunes. Nous gagnons un PDG qui est vraiment conscient et qui tient pour innover dans ce domaine. Et nous souhaitons à tous les téléspectateurs, idem à nos fidèles auditeurs de la chaîne 54 et également auditeurs de Radio Les Pacifiques, c'est pas en première et nous pourrons gagner d'autres retransmissions à travers le pays en matière de championnat national de première division. Un grand merci et félicitations à toute l'équipe, technique, les caméramans et les techniciens, notre réalisateur, nos monteurs et tous les techniciens qui ont participé, qui ont contribué, qui ont rendu possible, qui ont contribué à participer à la réussite également nos sponsors, de cette transmission. Oui, il y a HL Construction en matière de construction, Betonex, le Richaco et sans oublier Extreme Red. Merci à tous, c'était depuis Mirbalet, la télé innovée, Télépacifique.